Je dis un lien extrêmement important pour nous faire parler avec Haïtiens qui vivent en Dominicanie. Après que le ministre des Affaires étrangères du pays d'Haïti, qui c'est Madame Dominique, qui a profité pour nous saluer pour le bel travail qu'elle a fait actuellement là, dans la diplomatie haïtienne qui était censée craser. Madame Dominique, bon mettez sur l'écran, m'a profité pour me saluer et m'a demandé chaque grain frem avec ce capitaine de nous qui a regardé nous là. Qui ton petit commentaire pour moi? Qui ton salutation pour lui pour moi? Parce que son jeune femme haïtienne, eh bien, c'est chef diplomatie haïtienne, non? Elle la font bel travail pour le moment. Bien que haïtien quand Dominicani yo, senti que yo besoin présence, madame, non? Avec représentant que le mettait dans l'ambassade d'Haïti, non? Ouais, et m'capable dire nous Balaona, Santo Domingo, Santiago, Higüey, plusieurs autres côtés à Dominicani. Aïsse Fremsom, gon torchon ka boule entre Haïti avec la Dominicanie depuis, m'capable di, plus passé 24 heures de temps. Qui s'allie? Gouvernement dominicain voye yon invitation pour Koulev 9 traite plus 2 traite fait 9 et Koulev 7 traite plus 2 traite fait 9 traite. Là, ça nous est les G9 en famille et alliés qui occupé par la nationale illégalement. Eh bien, pour que soit disant président de transition, tu as vu participer dans l'investiture président, réélection Luis Abinadel. Comme depuis en septembre 2023, Luis Abinadel t'a décidé pour que lui-même, il te gonfle pour être lui, pour le montrer haïtien et que c'est l'île que lui représente. Ou bien, intention, se diriger l'île entière, tant coup, Jean-Pierre Boyer. C'est tout rêve, monsieur, ça. Et toute action que monsieur pose, montre clairement, c'est route ça que la prend. Mais en 2023, nous sommes très faibles. Nous pas de monde qui pourrait représenter nous. Au contraire, nous avons Ariel Henry avec le ministre des Affaires étrangères à l'époque. Qui se tigre moun senti vicieux sans on, Jean-Victor Généus, yon te font complot sous nous même en tant que haïtien. Parce que à l'époque, c'était dossier canal sous Rivière Massacre, KPK. Pendant que le peuple a construit canal li, et bien gouvernement haïtien, avec majorité politicien SDP, qui était bon côté Ariel Henry, yon te font seul pour te campan face à Haïti, alors peuple haïtien avec la Dominicanie. C'est-à-dire que ils étaient fous seuls avec la Dominicanie pour qu'on fasse peuple haïtien qui t'a demandé construction canal et qui t'a contribué pour construction canal. Nous t'es well. Nous pourrons parler de ça. Eh bien, espace aérien dominicain t'es venu fermer pour de ces canaux-là que nous t'es mettez main. Abinadel t'es fermé et barrière frontière, lui fermé toute frontière terrestre. Espace commercial maritime yo, espace commercial aérien yo, et diplomatique en même temps. Depuis le ça, Haïtien pas capable de monter à Dominicani malgré que Dominique te vanyo visa, yo pas capable de monter. Et là, ça, tout tension a tap monté, tension a tap brûlé. Esprit, papa de Saline, non, esprit patriote l'a commencé à monter en pile Haïtien. On va dire majorité. Parmi yon, c'est yon là dedans. Mais le ça, konze kan de pays, volé les assassins de Jovenel Moïse. Yon te font seul avec la Dominicanie. Puis yon te kapon face nous même en tant que haïtien. Abinadel te ferme frontière. Li te dit nous, pour l'ouvrir frontière, il faut que nous camper dans l'immédiat sous construction canal sous Rivière Massacre. Que l'estime. qui sont zak illégal. Mais par conséquent, même Luis Abinadel ça, sous président Jovenel Moïse, il accepte que canal ça, il pas déranger la Dominicanie et ce canal qui est légal et que nous avons droit pour nous construire. Mes amis, je dis à m'a de nous pour nous faire tandem avec un pile intérêt dans la première partie ça, parce que nous parlé de Haïti et la Dominicanie. Ou capable de mettre toute chapelle politique de côté, mais quelque part, ça qui brille là comme torchon, parce que
nous arrivons dans un moment côté que nous obligés de dresser cette situation. Et si nous avons un gouvernement sérieux avec autorité qui honnête, bon, c'est le moment pour que nous tout dresser ça une fois pour toutes. Raison simple, ça qui fait Haïtien aurait été après humiliation dominicani. C'est parce que tout simplement, en dehors de la caille, dans le pays d'Haïti, il y a pas de sécurité, il y a pas de travail, il y a pas de rien. Il y a plus de 500 000 Haïtiens qui travaillent dans le domaine de construction en Dominicani. Ces jeunes garçons qui sont à l'école en Haïti. Mais malheureusement, quartier que vous habitez en Haïti, vous pas capable de là-dedans parce que gang pour quartier. Hein? Si vous êtes là-dedans, seul choix que vous avez gagné, c'est rentrer dans gang. Non. Désolé. Seul choix que vous avez gagné, c'est rentrer dans gang. Non. Et bien, vous faites choix pour que vous pas rentrer dans gang. Non. Et bien, vous tout fait choix pour vous quitter pays. Hein? Et c'est pas faute parce que chef gang non. Qui vient devenir moun qui vient devenir chef gang nan son li té nan zone nan li kont tout moun ki dans zone nan kont tout jeune garçon des frères ou tes amis et ben jeune garçon qui fait choix pour pas rentrer nan gang nan li obligé quitter pays an. Est-ce que vous comprenez? Et ben naturellement ça vient faire que nous grand pile jeune garçon qui compétent jeune qui quitté et faculté dans pays d'Haïti qui obligé atterrir en Dominicani. Si on était atterri avec un petit cop dans main yo, yo font 3-4 mois, yo paye ka, yo paye bill parce que yo pas habitué avec paye bill chaque mois, paye courant chaque mois, paye de l'eau chaque mois, paye gaz chaque mois, paye kay chaque mois, paye internet chaque mois. Ou haïtien qui t'a vivre en Haïti pas habitué avec gens de bill ça yo. Yo pas habitué avec gens de bill ça yo. Et c'est une bagarre tout qui est dans pile haïtien qui t'a vivre en Dominicani yo. Bien que bill yo pas cher pas comparativement avec États-Unis, mais en Dominicani Haïtien qui pratique ça dans l'esprit li connaît la monte États-Unis comme la piro, mais sauf que c'est même bagaille. OK, ou paye courant, ou paye caille, ou paye assurance, ou paye et gaz, ou paye de l'eau. Ça qu'arrivé de l'eau pour caille là tout faut payer un seul coup, courant ou paye la pas, internet ou paye la pas. Ça veut dire que haïtien qui fait 2 ans tant comme bien 3 ans tant que l'autre haïtien 4 ans tant que l'autre haïtien dominicani pratique ça au gitan gagne. Apprendre payer bill chaque mois yo ki ta gagnel et c'est cela Haïti et en tout cas ça va beaucoup arriver fait n'a suivre toujours mais m'a dit nous que gon tension ka bouler entre Haïti avec la Dominicanie et nous pral parler de li dans l'émission ça nous gagne des interventions que nous pral partager ensemble avec là tout et li extrêmement important mais premier partie nous dans l'émission hein, c'est voyons gros coup de chapeau pour madame Dominique Dupuy mais m'a dit madame nan konsa que entre-temps Haïtien qui travaille dans la construction dominicani, pas dit majorité, mais sauf que, en pile là, yon que m'pale, qui toujours texte nous, qui mette sous groupe tout ça, yon voyait deux bisous. Ok? Yon voyait deux gros bouts de tonton bisous pour madame Dominique. Belle madame que nous avons regardé sur l'écran, yon fait nous connaître son capoise que lié. Nous salue elle. Yon dit nous, madame Pounjou, yon en difficulté en dominicani. Raison simple. Doit yon pas respecter en dominicani, doit de l'homme. Surtout pour nous même en tant que haïtiens pas respecter et ceci c'est pas pour nous venir là comme une affaire étrangère li là c'est depuis des années mais sous Ariel li devine plus grave parce que gouvernement haïtien à l'époque t'a décidé camper en face tout haïtien dans intérêt Luis Abinadel et c'est une raison qui cause te ouais Abinadel était très confortable avec gouvernement Ariel Henry et t'a décidé attaquer des haïtiens qui comme en face gouvernement Ariel Henry parce que c'est un gouvernement tchoul qui t'a accepté pour Abinadel, te prend toute décision comme si nous avons dit non, ou bien parler, non, non, il l'a, Jean que te vle. Mais yon nan moun à l'époque qui t'a essayé de mettre frein dans le blousage ça, c'était docteur Claude Joseph à l'époque qui t'a parlé contre la Dominicanie en faveur d'Haïti à l'époque. Malheureusement, nous pas qu'à jeunir encore, sens patriotique l'en sorti, ou du moins chapelle politique que m'te besoin. Moi fin jeunir, ça fait Haïti avec la Dominicanie pas intéressé encore comme citoyen. Et Claude Joseph pas parlé pour Haïti encore. Ça va intéresser lui. N'a suivi de près pour peut-être ça qui arrivé m'vin trop madre politiquement m'vin trop gè pied d'atè politiquement et attaquer Abinadel pour Haïti ça pas intéresser nous et ça pas un avantage du tout peut-être ça c'est ça mais nous voit que il va parler pour Haïti encore ça va intéresser et de respecter Abinadel la fait pas intéresser n'a suivi de près c'est Haïti en tout cas n'a suivi maman liberté en avance. En 2023, nous t'apprends à comprendre dans quel niveau que nous avons un pile haïtien qui se conze, qui se esclave de salon.
Bien sûr que nous pourrons parler de libération arabe dans l'académie, ça, que nous avons profité et remercié l'autorité qui concernait, le commissaire du gouvernement, qui libère arabe. Est-ce que nous pourrons rentrer dans la logique déclaration arabe ou bien position arabe? Non. Arabe fait trop bataille. Arabe sacrifie le trop pour une simple déclaration que Arabe fait en faveur, soi-disant, moun qui le fait libérer pour me t'aller et dire de bagay pour soit Arabe. Non. Bab jam fel et m'a prêté moun, m'a prêté gens que dans l'in que m'yè. Et moi-même, m'a pas besoin de chercher comprendre Arabe. Mais sauf que, ou même comme peuple, on cherche comprendre ni. Après tout sacrifice que le fait, m'a pas aujourd'hui en cas tout prendre mettre dans panier ou tout voler dans poubelle. Non. Essayez de chercher comprendre ni plus. Si nous capable inviter à nous faire parler, peut-être la expliquer position. Là bas raison position, même pas praler critique arabe. Et sous fait tout, ou paraître méchant. Ou paraître méchant, à nous plutôt quitter arabe vini comme c'est lui même qui toujours est dans info beto, n'a pas dit arabe là. Numéro a toujours disponible pour lui, il est capable reler en dedans dans numéro 1 pour nous recevoir lui. Pour le fond, c'est expliquer population, diaspora haïtienne, qui est toujours bon côté pour mener bataille ça, pour expliquer nous position. Mais question, bagaille vient attaquer arabe là, ou pas bien ça. Nous pas jamais faire, parce que nous-mêmes, nous avons prêté moun nous hier, nous croyons que, et moun nan lui-même, si gon bagaille, c'est lui qui vient expliquer tête li. Mais nous avons prêté dans l'in que nous hier. D'ailleurs, moi-même, nous, cheval de bataille, non. Véritable combat, non. Puis gros engagement, non. C'est faire tout sacrifice dans vie nous pour nous kebe dans niveau kenyen pour nous continuer exiger justice pour président Jovenel Moïse. Ça nous pas dérouter là-dedans, nous pas mal supporter pièce gouvernement, nous pas mal supporter pièce pouvoir depuis nous pas rester dans l'île sont pour aller. Gary Koni jodi là camper devant micro la presse en Haïti. Il dit que il prend supporter la justice haïtienne pour que relancer dossier sur assassinat Jovenel Moïse là. M'a campé m'a du Gary Koni moi-même m'a ba quoi pour aider nous joindre justice pour président. Mais dans le cas contraire, question même nos président Jovenel Moïse là qui pas ca sortir dans bouche nous connaît m'a supporter nous mais pour m'ta mouri. Même dans rêve ou fou. Je fout tout le président comme ça et puis n'a vienne faire continuité pour les assassins pour continuer pour protéger les assassins de Jovenel Moïse. Et puis moi comme défense à dossier ça, cap goumé, jeune garçon cap goumé pour la vérité faite dans cadre dossier ça, nous ta connaît que m'ta vienne supporter nous. Et vous, je t'apprends, mon cher. Dis-nous pas politicien. Je ne vais pas changer de position. Je ne vais pas venir supporter criminel vice. D'ailleurs, ça va être intéressant. Je donne ça très bien. Là, Jean pays d'Haïti, l'on prend loi pour fouiller des mouni. C'est même Jean Lamont Sanjou qui kidnappe les mouni pour fouiller moun l'argent. Ah, je dis ça très bien. L'on prend comme l'État, ou pour fouiller moun pour moun protéger. C'est même Jean Iso fin kidnappe quantité moun et puis il dit l'affaire sociale avec comme là encore. Et même bagay là. L'on entre dans caisse l'État, ou dilapide li, et pour ou voye 20-30 000 dollars américains ben moins, comme si m'a dit pour me parler en faveur, c'est même Jean Lamont Sanjou kidnappé, missionnaire américain, et puis il dit la bombe 20-30 000 dollars américains pour me pas parler de li. Et même bah là, oui, et même 4 figures, oui. Le politicien rentre dans caisse l'État, ou vin ministre, ou vin directeur général, ou déchapillé li, pour pas parler de ou, ou distribuer 10 000, 15 000 dollars américains, bah moun ki gen micro, ki gen large audience, pour pas parler de ou, c'est même Jean tout. Lamont Sanjou, Jeff Canaran n'est cap kidnappé moun vite l'homme, capable relé même nèg micro ça, li offre comme là tout et même bagay là oui, et de pou prend comme là tout. Ou met konnen ou son, ou te capable comme dans vite l'homme tout oui. Ah oui, elle bagay. Et ça oui. De ou prend comme met konnen te capable comme dans vite l'homme tout. Il est clair pour tout monde. M'vle ça clair dans tête tout monde. OK? Ça veut dire que nous même n'a supporter quel que soit gouvernement automatiquement on va travailler pour Haïti. Automatiquement on va travailler pour Haïti. Si moi j'ai des plans bien déterminés pour organiser pour couper phénomène de sécurité qui à trois échelles dans le pays d'Haïti, en vérité, mon Dieu, m'a supporté quelque soit autorité qui entre dans la démarche là. OK? Parce que nous pas dans négociation. C'est Haïti d'abord. Seule négociation nous, seul attachement nous, c'est avec Haïti. Seul attachement nous, c'est garder nous, Gary Koni t'a tracé route pour que la diaspora haïtienne t'a va impliquer, t'a va intégrer la politique dans le pays d'Haïti. C'est tracé route pour que le peuple ait sécurité pour la diaspora haïtienne capable de rentrer, pour tout ce capable de rentrer dans le pays. Mais l'homme garde moi, c'est parole en l'air, c'est parole douce, c'est fait si vous petit, que moun, n'a parole, m'a dit Gary Koni, m'pa kwe ou, m'pa jam kwe ou, et de fait,
ou perdi complètement ti kral crédit alors ti kral crédit alors ti kral crédit que population te commencé faire leur fait vini comme quoi que Jean-Michel Azam te dit là yo pas konn kon nan bazam ou c'est meilleur monde qui ka kwape gang dans pays ya barbecue te dit ou ka mette la paix en Haïti c'est ça barbecue te dit mais l'homme moi que ou prend forme politicien yo parce que yo bon pression yo faut pète kou sourit et ou même tout quelque part ou gen comportement choul ou pas un comportement dirigeant ou plus semblé yon nèg ki ka travay nan cabinet ou comprend nan cabinet ou comprend même chef cabinet un chef et comment le un chef de diplomatie tout pour yo passer l'autre pour dire mais ça pour faire ou même ça met violent ou nèg ou ka travay et nan organisation ou comprend même Jean Djobou kon travay pour Nations Unies ou sont nèg ki compétent dans domaine ça mais chef gouvernement chef CSPN commandant chef CSPN premier ministre dans la coupe d'Haïti dans un contexte pareil Gary Koni ou pas gagné ça nous capable briller et caractère comme chef d'état comme chef gouvernement comme homme d'état pas parler comme ça et ou pas gagné genre de discours ça yo nos pays côté que nèg avec zam a touyer moun nos population civile ou pas parler comme ça et moun qui semble chef là ou elle semble Guy Philippe ou elle semble Muscadet et elle semble moi-même Fobeto moun qui semble chef nos contexte pareil en Haïti et pas vanter moi même pas quitter tête moi derrière et pas vanter m'a vanter moun qui t'a semble chef là tout c'est pour nèg ta cou Stanley Lucas que nous prale un an depuis nous pas attendre ça fait nous mal en pile parce que Stanley Lucas t'a aidé nous comprendre pile bagaille qui a passé là et t'a aidé nous comprendre qu'est-ce qui gare connait tout Stanley Lucas malheureusement que nous pas attendre Stanley nous pas contre s'il malade nous pas s'il disparaît Stanle Lucas et ben nous prale parler de Haïti et la Dominicanie, nous prenons le tourner pour nous parler de dossiers gang en Haïti, nous connaissons au quotidien, c'est l'inap vive. Mais nous parlons de dossiers Haïti avec la Dominicanie spécialement, jodi dans la première partie de l'émission. Et puis par la suite, nous prenons le parler de comment Guy Philippe, qui est pour voyager, pour aller en Afrique. En pile, nous commençons à dire, mais qui est-ce que comment Guy Philippe va rencontrer? C'est le président Ibrahim Traoré, c'est l'autre président. Mais sauf que officiellement Guy Philippe pas dit avec qui est-ce que Libral rencontrer. Tout le monde voit que on est avec Ibrahim Traoré, m'ta bien content pour que commandant Guy Philippe al rencontrer avec président de la transition, chef de l'État, commandant chef Lamea qui c'est capitaine Ibrahim Traoré, actuellement qui c'est président pays Burkina Faso. M'ta bien content ouais Guy Philippe pas là monsieur. Est-ce que Ibrahim Traoré non aide qu'il a recevoir ou du moins dans la quantité militaire solide quelque la Kali. Est-ce que les batailles banon bourré de là, concrètement, je ne sais pas comment elle a fait parce que nous ne sommes pas au pouvoir maintenant. Si le peuple a décidé pour mettre nos pouvoirs, 2 millions, 3 millions de monde décide de dégager M. Sao au pouvoir et puis mettre Guy Philippe officiellement, nous avons dit qu'il a pu recevoir capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce que nous avons fait? Nous sommes capables de faire. Capitaine Ibrahim Traoré a sorti Burkina Faso de Bakan Haïti pour bailler la main avec les haïtiens. Oui, nous sommes africains. Nous avons bien aimé ça, oui, papa. Oh! Guy Philippe, n'a bien aimé ça. Aidez-nous. Eh, m'a pris, mais ouais, ça oui. Mais c'est peuple haïtien qui vous facilite Guy Philippe capable de prendre décision ça yo. Mais, si c'est pas ça, Guy Philippe capable toujours faire des voyages, mais il pas jamais voyage officiel. Mais ou même comme peuple, officialiser Guy Philippe, non. Voyez officiel, non. Faire Guy Philippe voyager dans le continent africain, officiel, non. Ou capable, oui. Ou capable, soit t'en là comme peuple. Ou capable, lever matin là, ou dire, faire Guy Philippe officiel, oui. Rete! Pas jouer nous comme peuple. Dans le pays Sri Lanka, son bon matin, oui, peuple a été levé. Plus passe 2 millions de monde prennent la oui. Ils ont envahi tout espace l'État, yo. Tous institutions de l'État, courir des autorités, rire Charles Barry derrière, lancer bois calé derrière, pour voler quitter le pays. Et puis automatiquement, sortant de yon, yon installé moun ke yon vle, oui, yon officialisé li. Ok? Ça veut dire que, je dis, li important pour que nous-mêmes comme peuple souverain, pour nous dire que si nous estimons que c'est Guy Philippe qui a aidé nous pour tout bon, et que nous voulons voler en Afrique pour la louer ensemble avec, et bien, Zami Nouyo, Frère Nouyo, ou qu'a officialisé lui, ça va pour nous, ou qu'il doit ça y. Dans tous les pays du monde, c'est peuple souverain, oui, nos États démocratiques surtout, nos pays côté que l'État faille à mission, la justice pas existé, c'est seul peuple souverain, oui, qui a pris une décision réelle, pour permettre tout sortir là, en organiser nous comme peuple souverain, en faire tout ça que nous sommes capables, sacrifier nous, pour nous retirer Haïti, dans sa que le trouvé là. En bas exemple,
On nous officialise Guy Philippe. 2 millions haïtiens suffit, oui. Et de fait, comme nous connaissons des policiers vicieux, nous avons 2 millions haïtiens. 2 millions haïtiens avec 2 millions manchettes dans main. 2 millions haïtiens à 2 millions manchettes dans main. Pour moi, monsieur, videz les lieux. Coulève 7 traites, plus 2 traites, fait 9 traites, qui baille G9 en famille alliée. Quand il connaît dans le national de l'éprimation, n'a pas de vider les lieux. Gary Koni coulève cette traite, vider les lieux. Et si Gary Koni te gen caractère, ou d'après peuple t'a demandé, coulève cette traite, vider les lieux, et puis t'a demandé Gary Koni rete. Mais c'est parce que, ou pas fait preuve comme autorité, qui gen caractère, qui gen dimension. Ou pas montrer que, ou à la hauteur pour que nous capables, ou pour résoudre ça que là. Et ou pas montrer que, ou gen volonté. Comme maintenant Guy Philippe, nous pourrons parler de l'académicien ça, et ou même comme peuple souverain, soit c'est Guy Philippe qui chef ou qui. Pour le chef ou c'est ou pour faire le chef ou. 2 millions, 3 millions haïtiens décident de ce Guy Philippe qui chef là. Au bon matin, nous décidons de nous installer le palais national. Tout conseil, tout criminel, tout ravette, tout dassoman, tout bluffeur, tout grand monde vole politique, tout conseil politique, tout drogue dealer politique, okay? Tout kidnapper politique, tout trafiquant d'organes politique, tout assassin politique, les assassins de Jovenel Moïse qui sont politique là. Au bon matin, ou même comme peuple, ou retire tout au pouvoir. Et vous mettez moun kon vle ya. Et puis nous décidons de qui Haïti qu'on vle. N'ap gade blanc dans les yeux, n'ap parle avec blanc, nous pas raï blanc. Mais sauf que, attention, Guy Philippe au pouvoir, c'est pas même ravette, c'est pas même conseil, ou pas qu'à foure beaucoup dans sa pays d'Haïti, n'importe qui gens. Pas vine bêtise. Nous c'est haïtiens, nous c'est petite dessaline, nous pas répondre pour personne. Tout moun gepé yab defon. Exemple en clair, al gade pour ça qui a passé dans le pays Venezuela, avec États-Unis. États-Unis parle pour occuper. Et puis, sortez de la tout commence à faire retrait. C'est fini. C'est fini. Moun de la gonja kelye kounya. Ou pas proposer même moun. Ou positionner bon côté moun qui veut supporter ou. C'est pays n'a fait. Je dis c'est mercredi 14 et d'août 2024. Moi content pour me dire bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui le attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour qu'il m'ensemble avec nous. Sous plateforme Panouan, qui c'est plateforme YouTube, Maman Peba, Paye Potéan, plateforme qui pape Chaylan, plateforme Kabdil Jenyeyan, plateforme qui croit dans la vérité, plateforme qui croit dans la bataille paysan, plateforme qui croit que c'est avec travail ça que Madame Dominique Dupuy a fait dans la diplomatie et que Haïti a une belle diplomatie et Haïti a capable de commencer à nettoyer le visage. Li. Plateforme qui croit que c'est avec la vérité dans sa qui est pour avec assassinat président pays nous qui fait 6-7 juillet 2021 et que nous capables justement de Haïti. Plateforme qui croit que c'est avec un gouvernement sérieux, honnête, solide, tant que gouvernement avec un chef d'État qui a un caractère, tant que Guy Philippe, qui pour prêter paysan, qui pour retirer Haïti dans sa qu'elle trouve là. Plateforme qui croit que c'est seul Haïtien qui est capable. Oui, même Jean, secrétaire d'État américain, qui c'est M. Anthony Blinken qui t'a dit, c'est seul peuple haïtien qui est capable. C'est seul peuple haïtien tout qui t'a doué déterminer propre avenir. Mais nous tous qui là, États-Unis, CARICOM, avec l'autre partenaire, nous capables d'aider. Donnez ça, ambassadeur, te dit, c'est seul peuple haïtien qui est capable. Mais, et, alors, c'est seul peuple haïtien tout qui t'a doué déterminer propre avenir. Li. Ou même comme peuple, est-ce qu'on pas décider déterminer propre avenir? Est-ce qu'on décide c'est moun kap pété pour tout le temps? Qui sont décidé? Qui sont vle? C'est seul peuple haïtien qui est capable. C'est parole secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. C'est seul peuple haïtien qui t'a doué déterminer propre avenir. Li. Messieurs, dames, vous parlez avant clair. Vous tout si vous faites gros point tout quitter au passé, c'est vous même. Mais c'est vous pour décider. Eh bien, à nous décider pour Guy Philippe, président paysan, dans le cadre de transition réelle qui va mener le pays d'Haïti, comme si m'dadjou, sous rail démocratique là, pour mener nous à l'ordre démocratique justement. Côté que nous prenons définitivement aller droit vers référendum constitutionnel là. Côté que nous prenons changer constitution an, pour que définitivement, diaspora haïtienne est capable de connaître que. La prentrée dans les affaires politiques paysan. Légalement, selon la Constitution. Parce que le référendum dans le CAI, c'est qu'il a voté. Ça qui pas d'accord, ou a dit non pas d'accord. Ça qui d'accord, a dit oui ou d'accord. Et c'est majorité qui a dit ou d'accord. Référendum constitutionnel, nous ne sommes pas capables de faire le bagage qui s'en lit. Tout montage qui a fait la poussée et tout le bagage. Sous pas changer la Constitution, ou a maman corvé. C'est le même système qui a régénéré la tête. C'est le même bagage qui a toujours fait. Ça veut dire que faut que nous fassions très attention. À nous organiser nous. Ça qui la pas jouet.
Haïti capable de réparer. Je dis si que la Dominicaine n'a pas gagné respect pour Haïti comme ça, c'est autorité n'a pas gagné. C'est homme d'État n'a pas gagné. Ça l'État gagné là comme si m'dadjou l'État pas qu'à décider pour investir en 200 millions de dollars américains dans projet pour que Haïti capable en Dominicaine vini vin travailler en Haïti. Donc il y a volé comme pays hein, pour y aller investir dans l'immobilier en Dominicaine. L'homme garde qualité humiliation que le gouvernement dominicain a ba haïtien en Dominicaine. Ça fait mal pendant que nous gagnons ancien président, ancien premier ministre, ancien directeur général, ancien sénateur, député, tout gagne Haïti nous, tout gagne car en Dominicani, tout a investi l'argent en Dominicani. Et ça qui est plus grave là, n'est qu'à faire plus gros cob en Haïti, qui c'est dans une gars corrompu, qui implique dans tout le président Jovenel Moïse, c'est en Dominicani qui a investi l'argent. Ça veut dire qui ça? Nous pas gagne pays. Nous gagne pays, côté que nous pas gagne monde de bien, nous pas gagne monde sérieux, c'est volé, c'est n'est qui pas honnête que nous gagne. Et bien, moi, je viens dire aujourd'hui, nous sommes capables de ces bagailles. Maintenant, on avance dans le dossier torchon qui a boulé entre Haïti avec la Dominicanie. Alors, ma foi, nous connaissons que ce n'est pas maintenant que torchon a boulé. Il y a un bon bout de temps depuis la boulé. Mais comme, il y a une invitation qui est lancée, bon côté autorité, soi-disant haïtien, eh bien, nous avons décidé de ne pas répondre avec cette invitation. Hein? Ministre des Affaires étrangères, là, qui sous écran qui c'est madame et Dominique li fait travail li parler avec homologue li qui c'est Roberto Alvarez qui c'est ministre affaires étrangères la République dominicaine pour faire le comprendre effectivement mais telle raison gouvernement dominicain autorité dominicaine yo parler en pile média dominicain en pile média pour gouvernement Abinadel là yo parler yo prend yo expliquer des bagailles et yo dit avec peuple yo mais pour qui raison que autorité haïtienne ont décidé pour que yo pas répondre avec invitation. Et moi-même, ça que m'a regardé dans le commentaire, en bas tout poste que Média Dominique a fait, moi, grand pile en pile Dominique, grand masse Dominique qui favorable pour que frontière l'an rete fermé. Espace aérien rete fermé. Ça dit que m'a senti Dominique yo supporter gouvernement Dominique dans la démarche ça. Mais maintenant, est-ce que c'est pas tap tout yon bon moment pour que chef gouvernement t'ava tout prend responsabilité l. À l'aise parce que voilà si gars qu'on était haïtien pour tout bon monsieur t'a tout prend décision en faveur d'Haïti et monsieur t'a pas le côté haïtien son peuple qui pas ingrat. Messieurs dames la Dominicanie c'est eux même qui a voyé toute qualité fatra en Haïti. Et nous te voyons clair devant nous. De septembre 2023 jusqu'à décembre 2023. Sous de ce canal rivière massacre là. Nous te wel. Nous te wel vivant devant nous. Nous te wel dans quel niveau et que toute fatra sorti la Dominicani. Ça veut dire que Dominique au pape pas vle pour nous même comme peuple nous produit rien. Et c'est une raison où est clairement que Abinadel te décide comme face haïtien. Cap construit canal sous vieux massacre là. C'est parce que yon pa vlo produit du riz, pois, maïs, chou, pommes de terre et banane et lame véritable, ok? Comme encore manioc, tout l'autre, comme carotte, pommes de terre, bah qu'on est tout bagay net. Yon pa vlo produit en quantité. Ok? Ça veut dire qui ça? Yon vle pour toujours être là pour acheter fatra dans mayo. Parce que yo, gros investissement que yo fait dans le secteur agricole, là, yo gros produit que yo produit, c'est seul ou même que yo ka vendre comme peuple, et c'est seul ou même ka manger sous la terre. Parce que yo connaît le pas bon, yo pas accepté pour produire ça, monter en Dominicani pour aller vendre sous marché par yo, pour peuple dominicain manger, mais yo décide pour exporter vers pays d'Haïti. Et ça que de pourtant de produire ça, pas qu'à rentrer en Haïti, yo tout quitter le sous frontière pour le pourri jusqu'à ce que yo le jeter, pour fouiller tout pour yo mettre. Et c'est une bagarre que moi-même pense que Haïti a tout pris disposition pour pas manger n'importe produit dominicain. Rete gouvernement haïtien tout campé en face tout haïtien pour la Dominicanie. Et c'est le peuple haïtien décide de lancer bois calé dans Bouda et qui parie là et que gang yo vinn prend en disposition tout que yo tout bloqué conseil d'espace Ariel pas rentrer. Et c'est le Abinadel a fait une révélation. Après révélation ça me pense que Haïti a tout cherché tout n'est qui ta côte Ariel pour bailler bois calé.
on est à quoi de Michel, nous te connaissons qui était en commun accord, qui était by garantie avec l'ambassadeur Dominique. Et m'a dit nous ça, je dis, hein? Moi, j'ai un ami dominicain. Yeah. Un ami dominicain. Monsieur, si m'a besoin, si m'a besoin de régler un bagaille, dans l'ambassade dominicain, qui trouve les notes dans downtown Miami ou bien dans Brickell Avenue, dans Miami, m'a besoin de facilité pour me résoudre, pour me régler. C'est mon monde qui est influent. Monsieur, pas la vraiment pile. Sous dossier canal de massacre là. Monsieur, c'est proche. Abinader lui, ou actuellement là, monsieur, pas Miami. Monsieur qui est en Dominicani, monsieur travaille sous investiture président. Monsieur, c'est. Bon, m'pap bay trop de détails parce que li extrêmement important pour nous protéger type là. Mais monsieur, remè, pays. Mais monsieur, je suis capable de dire nous sommes amis. Parce que c'est pour nous qui bien avec nous. Pour l'argent, moi-même, tout nous pas nous pas bien pour l'argent. Mais sauf que, monsieur, nous avons parlé et nous avons rencontré en Dominicani. Nous parlé, nous échangé et puis monsieur était jugé bon pour nous échanger et numéro. Nous échanger numéro, nous toujours être en contact, nous avons rencontré en Dominicani encore. Après ça, nous venons pas rencontrer Dominicani et c'est les États-Unis, et puis nous continuons à parler. Nous avons un bon bout de temps. Et puis nous partenaires. Et m'a dit nous que dossier Canal Sauvé Massacre là, déclaration que Luis Abinader te fait sur Ariel là, c'est la vérité. Et il y a pile bagage que m'a même qui pouvait me dire que c'est vérité. À deux reprises, André Michel avec Majorie Michel. Ça deux pays ya. Madame Dominique m'a continué honorer ou sous écran parce que moi trois pays en Dominicani a bat bravo pour ou, mais ou diou yo plus besoin présence ou parce que yo senti que yo pa gen moun. Yo senti ambassadeur ko gen en Dominicani yo pa gen poids. Madame Dominique, aidez-nous. Nous avec ou aidez-nous madame. Jeune demoiselle, jeune dame, désolé, et nous saluons, nous avons. Et m'a dit que, et c'est une tête pire dans le gouvernement, comme les gars reconnus. Après ça, qui est moi encore, un jeune garçon qui a fait installer comme directeur immigration, je connais monsieur, nous dit monsieur, il est soit Stéphane comme ça, je salue monsieur, ça lui arrive monsieur dans la tête immigration, et de ces immigrations, d'ailleurs même je dis, pour monsieur Dafon Chita, sur le passeport ici, monsieur, vle m'abay, monsieur, ça qui a passé ici en Dominicani, pour monsieur aider nous, pour monsieur régulariser question ça pour nous définitivement, pour passeport pas vin difficile pour Haïtien qui vivent à l'étranger et Haïtien qui vivent en Haïti. Aider nous gérer ça, et monsieur Stéphane, jeune flâneur qui rivait dans tête et immigration. En avance. André Michel, dans le moment peuple a essayé faire résistance devant militaire dominicain, pour construire canal sur le massacre là. M'a dit non ça très bien monsieur. Chaque le m'a dit bagaille là, m'a dit comment faire chade poule parce que et pour Jean de Michel t'es comporté dans Port-au-Prince, le Jovenel Moïse t'es au pouvoir, tout le monde t'es pensé que nèg ça aussi des patriotes qui étaient parce que haïtien malheureusement zéro pas de calé pour te comprendre que si monsieur ça au bon côté a mené yo et a mené au non trou qui pas jamais qu'a sorti. Majorie Michel équipe SDP. Le m'a tant des bagaille comme si c'est me frustré. Qui ça bagalaye? André Michel, c'était poté le poté. Parole Ariel, by ambassadeur dominicain, pour te faire arriver joindre autorité dominicaine. Équipe Ariel, là, te bay garantie, effectivement. L'État haïtien, pas supporté, moun na wana met kap construit canal là. Écoutez, al pi loin. Pour comme si m'dadou cherchon bagay pour camper derrière ça audien yo dit c'est Jacques Sauvé Jean Martin Moïse ministre Nader Woodlin Pierre qui prend et Claude Joseph qui prend décision pour construire canal sous rivière massacre là son canal pour régler les affaires personnelles yo son façon pour faire gouvernement dominicain camper en face gouvernement haïtien c'était parole André Michel
avec Marjorie Michel devant ambassadeur dominicain. Et ambassadeur dominicain, rapide vite, il transmet li bay autorité dans le pays, et puis autour dans le pays, il a fait communiquer avec les médias, et puis médias dominicains communiquer et bay peuple là, et puis Haïtien quand Dominique a dit des messages là, et monsieur tout, comme zami, monsieur dit mettez le bagay. Monsieur dit ma deux reprises dans l'ambassade là. Monsieur Damien à l'ambassade là. OK? André Michel, c'est l'élite de mission ça. Et on dit l'État a fait tout ça que le connaît. Tenez bien, oui? André Michel dit avec l'ambassadeur dominicain que l'État haïtien a fait tout ça que le connaît pour que yo bloqué construction canal là. Et que gouvernement haïtien mandé Luis Abinadel pour fermer frontière dans l'immédiat. Automatiquement on ferme frontière, Haïtien n'a pas pap ka supporter misère grand goût parce que seul ressource yo c'est frontière là. Depuis frontière là fermé, et ben Haïtien a obligé camper sous canal rivière massacre là, a gon quantité k'ap levé k'ap révolté et puis k'ap craser canal là. C'était gouvernement haïtien qui était en face non. Monsieur dame, aïe. Canon grave oui. Canon grave. Moi m'a dit ça très bien. Ou ka dit tout sauf le de Abinadel. Mais rien pas déranger le non. Ah oui, rien pas déranger parce que tout simplement ça l'a fait au li nan intérêt pays. Il a défendre patrie li. Li bon pour peuple li. Li bon pour peuple li et c'est raison qui cause peuple li réélil. OK? À travers les élections. Et ça fait yo réélil li à travers les élections. Li gon deuxième mandat. Il a pour l'autre quatrième année. Cap commencé à partir de 16 août cap vin là. Et le parti politique révolutionnaire qui révoltait conscience peuple dominicain qui fait que yo gon ancienne pratique yo coupé fâché avec yo. Ça cause leader politique ancien dominicain yo on dit j'ai échoué là pour le moment. Parce que tout simplement dans niveau que Luis Abinadel l'a pas avancé avec la Dominicani, yo senti que monsieur éclairé, monsieur nan intérêt yo, et monsieur a fond, on travaille, pour que monsieur arrange l. Même j'en ai 2023, il te recevoir 30 000 touristes, il te collecte 11 milliards de dollars américains dans le secteur touristique là seulement, l'a gardé dans 5 ans encore, si la Dominicani, pas ta double chiffre ça. Parce que son record on vit battre, pas oublier nous, la Chine paye où qu'on est, hein. Recevoir environ 30 millions de touristes par année. Et puis la Dominicani, oui, yo recevoir même quantité à tout. Vous pouvez imaginer, ça veut dire que situation pays d'Haïti a li aidé la Dominicani avancer. Li nan intérêt économique la Dominicani. Dégradation pays d'Haïti, instabilité généralisée, insécurité en permanence. Ça veut dire que ouais la Dominicani gen gros coquin chien intérêt pour que Haïti pas jamais sorti dans sa gueule nouvelle là. Et avantage que le gagne, le jeune André Michel, le jeune au gouvernement Ariel à l'époque qui était supporté dans déstabiliser pays d'Haïti, dans aider Haïti rester dans état sa gueule nouvelle là pour que Haïti pas jamais capable de stabilité pour la Dominique capable continuer alors recevoir tout touriste qui est venu sous île là. Messieurs dames, là ça y est au fait. C'est pas moi qui pourrais le dire. Ce n'est pas moi pour le dire qui ça pour ta faire avec nèg sa yo, soit disant comme politicien. Le sa ou présente devant comme peuple. Bah, c'est moi Beto qui n'a mis ça, qui prend tout engagement ça, qui pourra le dire encore une fois. Mais ça pour faire avec André Michel, Marjorie Michel. Bah quoi c'est moi pour le dire qui ça pour faire sous croiser qui parle là. Bah quoi c'est moi pour le dire. Bah quoi, attendez bien. Bah quoi c'est moi non peuple haïtien. Et c'est ça pour nous comprendre. C'est-à-dire que je dis hein, Haïti que dominicani yo, si yo plus pas gen valeur, pas gen respect devant yeux autorité dominicain yo, c'est gouvernement Ariel spécialement qui détruit Haïti, qui montre que le dominicain trouve Haïti, ça va dire ni chaud ni froide et tout dérespecte tout crime qui t'a fait toi haïtien. Gouvernement haïtien Haïti te supporte dominicain là-dedans. Exemple, yo la vidéo là, tant yo là, moment yo là, tout le monde dit ouais, c'était moi qui t'ai sacrifié, c'était Foucault, c'était Jimmy, c'était Checo, c'était Stanley Lucas à l'époque, c'était Busta John,
OK, qui t'a sacrifié à l'époque. Mais malheureusement, au coup de la route, tu viens perdu. Et Davy, Stanley Lucas. Parce que je ne m'attendais pas. Est-ce que je me dis que Stanley Lucas disparaît? Mais je pense que, à partir de la date que je n'étais pas là, Stanley, qui est venu là, et puis moi, je ne m'attendais pas Stanley Lucas, je m'ai mis disparition et il faut que nous cherchions Stanley Lucas. Sous date qui a fait une année, depuis nous partons de Stanley Lucas, nous avons obligé de mettre disparition et avis de recherche pour nous joindre Stanley Lucas. Et ça, c'est important pour moi. Je me dis ça très bien parce que Stanley Lucas, je connais son nez qui est extrêmement important pour nous dans quatre batailles que nous avons menées. Stanley Lucas, son type qui est important pour nous, que m'estimer que nous avons doué, bah, une attention soutenue avec Stanley qui nous attendait. Eh bien, m'a dit nous que gouvernement haïtien à l'époque gonflait poignet li pour que nous pas construire canal là. Abinadel dit et vinn confirmation, c'est vérité et c'est Ariel qui te voye dit gouvernement dominicain ça et ba yo garanti que eh bien gouvernement haïtien pas besoin que tout yo pap campé face ou yo pap supporter pièce haïtien dans construction canal au lieu de supporter haïtien vraiment ou te wè que yo te mette on se des haïtien devant Abinadel en face Abinadel comme quoi que c'est haïtien c'est deux trois grand haïtien c'est Claude Joseph c'est ministre Nader c'est Woodline Pierre c'est Jacques Sauvé Jean c'est et qui est encore qui t'a construit c'est Martin Moïse qui t'a construit canal là spécialement pour capable mettre gouvernement haïtien en face gouvernement dominicain c'est des qui parlent là. Mais écoutez, je me dis là, chaque fois que je parle de bagay là, moi qui n'ai pas parlé d'où exister en Haïti. Et si on a essayé de comprendre, de compter, de songer l'histoire, il a connu que M. Tretsayo, M. Dame Tretsayo, ou une seule route. C'est soit prendre, ou bien prendre, ou mettre sous poteau, ou fusiller. C'est le seul choix que nous avons gagné. Parce que accepter de criminels, de voir ou de rester avec nos dimensions pareilles, humilier tout ton peuple pour capable gérer tes intérêts personnels pour carrer au pouvoir parce que Abinadel connaît que yo nan assassiné Jovenel Moïse yo pas capable garder Abinadel dans les yeux dans sens ça obligé camper face peuple haïtien parce que yo connaît peuple là pas faire bois calé sur yo parce que yo connaît un groupe policier qui la pour bailler peuple la gaz avec jeune pour yo et après quantité résistance que policier fait dans humilier haïtien en Haïti pour protéger Ariel Henry avec équipe li c'est-à-dire que des policiers bon Dieu dans ça la doué effacer salope ça yo vicieux ça yo sanguiné ça yo tissou ça yo parce que yo pas moun c'est ça qu'on pile là de rentrer dans kidnapping tout parce que majorité là dans son équipe petit volo équipe petit ambitieux que yo OK on a campé pour défendre André Michel pour humilier moun André Michel comme policier ou pas moun son petit chien là ils ont pour il défend tête là avant il bien défend tête là avant parce que son coco at koyé et même volo pareil ou volo tout et volo moun de bien garder ou croiser bras pas rien comprenne quand pile policier c'est volo yo. C'est allié ils ont été les oblo ils ont pris yo. On peut pas gagner au cas de pour yo. C'est que l'on policier vole au Haïti. Et pas faut tout obligé pas dire bien pas dire mal. Ou pas dire mal pas dire bien. Obligé croiser bras pour dire que bon, s'il fait m'pas connait, bon me suivre toujours. Bon me suivre toujours. Parce que on peut peut-être connait puis devant ça qui passé. OK? L'important pour nous connaître ça. L'important pour nous connaître ça. Et m'a dit nous que c'est un bail grave que lié. OK? OK? C'est important pour que nous connaissions ça. Et en avance, pour le dossier Haïti avec la Dominicanie. Je dis encore une fois, tout le monde est à clair que Haïti, c'est son parti. Dans l'économie dominicaine. Mais c'est instabilité en permanence ça que la Dominicanie supporte en Haïti. Ça dit bien, oui. Insécurité en permanence ça que la Dominicanie supporte en Haïti. Dans tout sens, parce que l'homme s'en joue toutes les âmes que le gagne, les tout doux, c'est en Dominicanie que l'achete. C'est des mouns qui font Parisien qui vendent l'yo. C'est des Dominicains, colonel Dominicain qui vendent l'yo. C'est des haïtiens qui vivent en Dominicani qui dans trafic zam nan qui vendent la mensonge aux amis. Et la mensonge sous parler. Messieurs, à zam nan pays d'Haïti sous parler
yo sou bay vérité ya, yo sou bay moun ki vann zam yo. Mais l'état pays d'Haïti pa vle yo parler. La PC fait diversion pour que ti monsieur yo pa arrive parler. Mais m'a dit moi m'a konn tout moun yo parce que monsieur ki a dit tout moun yo. Parce que me vle parler avec yo et me gen intérêt parler avec yo et faut me prendre engagement, me faut me prendre toute disposition pour me parler avec yo. Parce que c'est important pour nous. Et bien, dans ce sens, ça me pense que nous devons arranger nous. Nous devons arranger pour nous prendre disposition pour nous sauver Haïti. Parce que, genre que l'autorité dominicaine prend Haïtien pour le moment, c'est comme si nous n'avons pas nous-mêmes. Je pense que peut-être avec l'arrivée, Gary Conny, comme on est qui était passé dans les Nations Unies, comme on est qui. Et qui gon pied la terre internationale, non? L'étape au moins fait, la Dominicanie prend ma pied par rapport avec des spectacles qu'il a fait avec Haïti. Mais l'homme, regardez-moi, Gary Conny fait maintenant par le président, c'est même mouvement politicien qu'il a fait, réunion sur réunion chaque soir, pour distribuer gâteau, chaque nègre a séparé ça, dit tel, bon ça, bon ça. On équipe nègre qui pas jamais voulu Haïti saute dans rien. Qui est difficile. Mais c'est prendre ça qui est bon pour eux, pour jouer de l'argent pour eux voler. Mais vous ne pouvez pas payer un goût qu'on a une calme stabilité ou rentrer dans le jouet que vous avez reconnu. Et vous pensez que vous ne pouvez pas supporter ou pendant que vous même vous supportez vos volets pour continuer à régénérer le système yo, ou pas sérieux. Et vous ne pouvez jamais supporter là-dedans. Et de fait, c'est le talon pour bailler. Foutre quoi de yon dans le pays. Parce que nous salopes tant que vous franchement, nous sans autant que vous pas connaît. Ou équipe vole dans le pays, dans la politique, ou connaissez vos volets. Ça pour faire poser jalon. Commencer à développer des stratégies de manière technique pour craser, pour couler cette tête-là. Automatiquement, craser, ou t'as besoin de support haïtien. Automatiquement, craser, ou on t'a mon procès de dialogue avec le peuple. Qu'on est dit peuple, mais pour qui raison? Mais ou peut madrer, ou peut mourir. Parce que c'est des madrés politiques radicales qui ont. Ou peut yo. Ou peut pour pas tout, même avec le président Jovenel Moïse. Ou peut yo. Ou peut yo. Ou peut pour pas arriver sous. Et c'est ça, oui. Et bien, dans ce sens, ça, moi, je crois que nous devons entreprendre des démarches pour que nous soyons capables de tracer un exemple. Si tu as un gouvernement en Haïti, tu as tout fermé espace terrestre avec la Dominicanie, ni maritime, espace commercial, tu as coupé le net jusqu'à ce que nous négocions pour que le pays continue pour fonctionner. Parce que n'importe qui a fonctionné ensemble. Nous avons dit que le gouvernement, si tu es Jovenel Moïse, même je le fais, il t'a fermé frontières. Jusqu'à nouvel ordre. Tout produit dominicain t'a pourri. Et puis le gouvernement dominicain t'a obligé de forcer rentrer dans le dialogue. Parce qu'on vend haïtien visa, ou ferme frontières, ou pas mettre comme là. Nous méchants. Parce que haïtien pas gen moun. Si que haïtien te gen moun, ça va continuer, non papa. Ou va continuer à faire, non? Et c'est t'as dérespectant, hein? Et ou pas capable de continuer à faire. C'est parce que Haïti c'est pas gè moun. Si Haïti c'est gè moun, ou t'as respecté ça. Ou t'as respecté ça, ou t'as connaît que ou pas faire route ça. C'est parce que, tout simplement, Haïti c'est pas gè moun, yo quitte n'importe bagay passé, n'importe voie ou fait ça ou vle, n'importe si vicieux vin dans le gouvernement, yo attaque pays n'importe qui gens, et puis bagay. Et bien, dans ce sens, dis nous, humiliation. Nous même en tant qu'Haïtien vin augmenter Dominicani, c'est support gouvernement haïtien à l'époque là. Ariel Henry, André Michel, Tolbert Alexis, Majorie Michel et Rosemé la petit frère et comment elle est tout nèg qui était entourage Ariel et puis juste l'embre qui t'a supporté Ariel, Jean-Henri Sien qui t'a supporté Ariel et tout ro partout dans pays d'Haïti vol détruit Haïti yo qui t'a supporté Ariel. Qui a investi comme Dominicani et oligarchio qui t'a supporté Ariel, qui a supporté le gouvernement dominicain et qui a bouté comme Haïti pour investir dans l'immobilier en Dominicani, qui a utilisé Haïti comme telakou de la Caye Dominicani, son jardin, dans le récolter et puis nous allons manger dans la ville Dominicani. C'est comme ça autorité haïtienne utilisé et Haïti. Yo mangé yo boué en Haïti. Après ça, yo al prend plaisir en Dominicani. Yo vient chercher manger ya pour y al cuit en Dominicani. Haïti son jardin qui est lié pour la Dominicanie maintenant. Parce que je dis à me faire vivre, nous connaissons. Secteur touristique nous crase. C'est cause insécurité, instabilité politique. L'intérêt, la Dominicanie.
OK? Secteur touristique nous craser, c'est cause insécurité, alors instabilité politique. Qui est-ce qui va ou instabilité politique? Politicien. Qui est-ce qui va ou insécurité? Politicien. Politicien côté investi comme yo en Dominicani. Pour qu'est-ce que ça travaille? Pour la Dominicani. Tim Sauvelet. Tolbi Alexis chargé car en Dominicani. Gen ancien sénateur Plateau Central qui chargé bien en Dominicani. Yo ba zam en Haïti, yo vend drogue en Haïti, yo trafic d'organes en Haïti, y a touye moun en Haïti, yo touye président en Haïti et puis y a investi comme la Dominicani. Pour qu'est-ce que ça travaille? Pour la Dominicani. Ou pas capable pas quatre chemin pour dire ça non? C'est des vérités absolues. C'est des vérités absolues. C'est une bagaille pour qu'on comprenne. Et il est important pour nous comprendre ça. Là, je pense que nous pas capable pas quatre chemin pour nous comprendre ça. Que tout haïtien prend responsabilité pour engagement yo pour que ça au minimum. Est-ce que nous d'accord avec ça? Ça son minimum. Ça son minimum. OK? Ça son minimum. Pour nous même nous devons lever camper pour nous supporter madame Dominique Kounia pour continuer faire travail comme diplomate. Et puis, mandé gouvernement en place là pour vider les lieux. Si pas qu'à vider les lieux, quel point disposition pour le moment dans le pays d'Haïti. Ferme frontières, ferme espace commercial yo avec la Dominicanie jusqu'à nouvel ordre. Parce que si que Haïti a pris humiliation ça, c'est parce que Dominique est à l'aise pour toujours vendre produit yo. D'ailleurs, écoutez bien. Dominicanie, ça qui est plus important pour lui, c'est bien pays. Ça qui est plus important pour Dominicain, c'est business li, c'est commerce qu'il a fait. Si Dominique est capable de vendre vieux produit gâtelio avec facilité, qui était quelqu'un pour faire pression sur le gouvernement, pour le gouvernement faire ouvrir frontière officiellement avec Haïti. Abinadel n'a pas d'intérêt. Pour Kobla, il a besoin seulement dans mon, les jeunes Kobla. Il n'y a pas besoin comme Haïtien. Il montre qu'il n'y a pas besoin. Il montre qu'il y a besoin de Kobla, ou bien Kobla en bas table. Ça veut dire que ou cacher des frontières, ou cacher en bas fil de fer, ou le jeune Kobla ba yo. Et puis, on voit le produit senti en bas ou en bas fil. Et puis, on prend Kobla ou vire de aller. Il n'y a pas besoin de coller comme ça. C'est-à-dire que c'est le gouvernement haïtien qui pour montrer que nous, comme là, nous-mêmes, nous campons à distance. Nous allons acheter Mexique, nous allons acheter l'autre pays, la Turquie, nous allons acheter produit nous, ça nous manquait, pour nous venir la caille nous. Nous allons acheter fer, nous allons acheter ciment et Mexique pour nous rentrer en Haïti. Mais là, c'est oligarque qui contrôle le secteur ça. C'est eux qui contrôlent le gouvernement. C'est eux qui aident à mettre couleur cette tête de fait. Gars, ils ne connaissent pas la condition en faveur Haïti. Dans ce sens, ça, 2 millions haïtiens, c'est la seule solution. 3 millions haïtiens. C'est big deal là, c'est big solution, c'est meilleure solution. 3 millions haïtiens, 3 millions manchettes, non mais, qui pour dégapper total capital la classe politique traditionnelle haïtienne qui prend pays en otage, qui pour retirer coalition gang qui prend Haïti en otage, comme ça disant autorité, et pour mettre moun que nous voulons comme chef. Définitivement, nous menons pays à bon port. Nous avons sauvé Haïti. Et c'est une révolution, révolution, qui pour sauver pays ça. C'est pas juste nous, c'est une révolution de manière sauvage qui pour sauver Haïti. Tout Haïti doit embarquer. C'est une révolution qui pour sauver pays ça. Haïtien qui pour mettre main pour nous faire vraie révolution ça pour nous sauver la République d'Haïti. Parce que humiliation qu'on apprend, je dis, moi même pas nous capable continuer prendre. Il faut que tout Haïtien mette main en patte là pour nous capable sauver pays d'Haïti. Zam nan soti en Dominicani pour venir tout qui est Haïtien. Zam nan touye, le kidnappe, le viole, li dégapi, le boule kay, li fè moun kite zone. Li fè touriste pa ka rentre. Li nan intérêt la Dominicani pour continuer foulo zam. Et de fait, gen des oligarques avec des haïtiens, quand de kap vivo Dominicani kap achete zam nan pour voye vendre la mort jou. Pour voye vendre Jeff Canaran. Pour voye vendre Iso. Et je te majorité zam kap utilise en Haïti yo, c'est zam la Dominicani ki yoye. Et na sous unité te fè un enquête tout ça. Yo vous te pose un rapport sur ça. Yo te dit zam kap sorti États-Unis, yo transité par la Dominicani kounya et puis yo rentré en Haïti par voie terrestre. Ça veut dire que vérité ou là. C'est vérité ou là. Ouais nous même comme si nous étions bois croisé. Nous besoin yo l'autre groupe moun prêt être pays. Parce que ça qui a passé yo nous ouais nous comprenons. Qui ça fait nous pas prendre des mesures contre yo? C'est parce que nèg qui met moun au pouvoir, c'est yo qui mette, c'est yo qui vend zam nan, c'est yo qui fait zam rentrer dans pays. C'est yo qui travaille pour la Dominicani, défaite nous obligé. Trace un exemple pour nous faire, n'est qu'à porter ça dans le pays à respecter nous. Connaître que c'est moun nouye, même si c'est moun nouye, la vie est importante pour nous, la vie pas non importante pour nous tout. Parce que si on est capable de rentrer dans le pays, c'est parce que la vie moun kap vive dans le pays n'est pas importante pour nous. Quand ça c'est tout, il parle de c'est kidnapper ou le kidnapper, moun rentrer dans le kidnapping. Nan. Ok? Je veux dire, oligarque n'a pas d'intérêt pour que kidnapping n'a campé. Parce que la vente zam, là, elle vente zam, c'est dit le duo al kidnapper moun et puis la vente zam, la vente balouille.
C'est des kidnappers. Oligarque longtemps, tu as monté réseau kidnapper longtemps. Pour le kidnapper moun directement, quand il quitte le bandit, il kidnappe moun, et puis vient acheter des armes dans le mail, vient acheter des balles dans le mail, et puis balle l'argent. Ce sont l'autre forme de kidnapping. C'est l'argent kidnapping, il connaît la pression de la bandit, mais il continue à vendre des armes, il continue à vendre des balles, il exige l'argent en dollars. C'est ça que le bandit qui est beau, le kidnappe, il m'a donné un dollar. Parce que la paye balle là, en dollars, la paye des armes, en dollars. Faut nous gagner l'État. Moi-même, je m'a demandé. 3 millions haïtiens prend pouvoir et puis n'a demandé gouvernement qui monte là qui a gagné tête commandant Guy Philippe pour kebe madame Dominique pour nous notre diplomatie parce que ou pas besoin révoquer mon nan kebe des jeunes qui intégrés et comme si n'a dit l'état kebe yo garder compétence par la veille et puis yo dit garder mais qui fait des routes que gouvernement gagne mais qui dans qui que nous pour aller gouvernement baili et puis n'a travail il dit que on a de ce passeport dans immigration ou dit garder nous pour rendre passeport disponible même gens tout américain. Je n'ai pas passeport disponible pour vous, n'a pas un passeport disponible pour tout haïtien. Passeport perdu aujourd'hui là, ou besoin d'aller rapide. Il est disponible pour vous aller passeport pour vous. Faire déclaration seulement. C'est important. OK? Ça je pense que faut que nous te régulariser question ça. Pour nous te camper pour nous être capable et parler sur ça. Mais m'a dit nous faut nous défendre Haïti. OK? Faut nous camper pour défendre Haïti et faut nous supporter quelque chose à monde qui défend Haïti. Haïti en difficulté, c'est tout haïtien m'estimer que qui pour mettre main pour aider Haïti sortir dans ça que trouver là. Mais m'a dit nous pour nous sortir pour nous pays sortir dans ça honnêtement nous doit sacrifier nous. À l'aise, nous doit sacrifier pour nous capable aider pays ça sortir la situation difficile qu'elle trouver là. Humiliation qui n'a pris devant la Dominicanie, parce que c'est le meilleur moment pour nous chavirer l'autorité sanguine qui vient faire continuité pour l'équipe gang Ariel, pour nous retirer là, pour nous mettre des gens de bien, et pour nous mettre des gens de bien, des gens de bien, des gens qui ont caractère, qui sont en Haïti, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas un dossier sous deux, qui n'ont pas tout le président Jovenel Moïse, pour nous mettre comme autorité, pour être capable de camper devant la Dominicanie pour régulariser question hein, pour que relation des pays ça aussi c'est la camper définitivement qu'elle camper et pour nous créer conditions tout pour nous faire haïtiens rentrer en Haïti parce que haïtiens ont besoin de tourner haïtiens qui travaillent dans construction dominicanie c'est pas bien ou bien ont besoin de tourner la caillou en nous aider tourner la caillou en créer conditions pour nous permettre de tourner la caillou c'est nous même comme peuple oui OK en nous organiser nous pour nous permettre que yo tourner la caillou mais situation que n'a vivre là. Je pense que c'est compliqué. Si nous étions avec même messieurs Saoula, soit disant comme dirigeant, par la plus grave vous nous devant, la plus grave vous nous, mais nous sommes capables d'organiser nous pour nous prendre disposition, pour nous retirer et conseiller là, retirer rester avec vous là, et puis nous continuer avec Madame Dominique, je pense que nous faisons un bel travail dans la diplomatie, pour lui sentir que nous avec elle, nous supporter et puis pour être capable de continuer à prendre meilleure décision. Vous comprenez? Et c'est ça, oui. Et li important pour nous. Voilà. Et c'est ça nous t'ap fon coup de tête dans dossier Haïti avec la Dominicanie. Maintenant, on nous fon coup de patte en Haïti pour nous parler pays. Pas plus tard que hier qui était 13 d'août 2024, nous t'ai fait une intervention sous dossier Miragwan avec commissaire Muscadet. Monsieur dame, je gamou nan pays toujours dit pour je ne sois besoin c'est bataille liée. Et engagement par nous, c'est bataille pour nous résister. Et m'a dit que commissaire Jean-Ernest Muscadet jeune message là. Moun nan ni jeune message là, moun nan grand sud jeune message là. Nenel Kassi, garçon moun met préparé parce que peuple là, yo gen on en viser yo. Et j'aime te dire là, nous pas que doit peur, c'est bataille liée. Bataille liée! Allô 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 trompette là sonne. Allô, 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 trompette à sonner. Allô, 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 trompette à sonner. Allô, 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 trompette à sonner. Allô, allô, trompette à sonner, l'heure est arrivée. Voilà, trompette à sonner. L'heure est arrivée. L'important pour que nous capables
et parler de ça. Maintenant, on nous fait un coup de patte dans le département ni pays. Qui est-ce qui est commissaire Jeunesse Muscadin? Jeunesse Muscadin, c'est moun nan sud, au Kay. Jeunesse Muscadin, c'était un ancien sénateur, alors qu'il était sénateur de la République à l'époque. La Jovenel Moïse tap cherche un moun qui a testicule dans fesse pour te mettre comme commissaire du gouvernement Miragouane, maître l'action publique, chef de la poursuite, défenseur société. Tendez frère avec ce. Nanip, Jovenel Moïse pas de cajun au monde parce que tout le monde nanip te peur. C'est la peur totale qui t'a rentré dans tout foyer. Peuple ni plan. Parce que Nenel Kassi, t'es armé tout jeune garçon nanip pour te détruire quel que soit citoyen nanip qui est en face li. C'était agenda politique li ça. C'est comme ça le fait politique li. Nanip. Et c'est à l'époque, messieurs dames SDP yo, c'est opposition à l'époque, c'est comme ça fait pour prendre ville par ville. Ville par ville, vous avez fait. Youri prend Gonaïve, li amé, Kokoat qui parle de race, et nous connaissons ces races, la tortue qui est li amé jeune garçon dans Gonaïve. Et Valia Beauplan, tu commences à faire, et comment elle est, dans le nord-ouest. Jovenel Moïse, vous connaissez Jovenel Moïse, c'est dans le nord-ouest tout, mon nord-ouest pas rentré dans ça. Et puis, Moïse Jean-Charles, crasé au Cap Haïtien, département nord-est même, tu as des voyous qui ont commencé à faire tout. L'Ouest là même nous connaît ces bastions criminels, bastions des assassins, bastions des voyous, bastions politiciens, gangs kidnappeurs, assassins, gangs sales terroristes, kidnappeurs, trafic d'organes. L'Ouest là, c'est bastion de la corruption. Et mais ça qui vient de passer. Président Jovenel Moïse vient de dire que dans ça que lié, il faut que les jeunes des citoyens conséquents qui pour camper pour aider le mener bataille là. Eh bien, m'a dit nous que, nan cherche, gen autorité dans le sud, gen yon autorité dans le sud, qui, dit président Jovenel Moïse, m'a boy yon moun, qui te substitue du commissaire, mission avocat, monsieur, m'a boy yon moun qui pour vini commissaire gouvernement chef Miragouane. Je dis Jovenel, nèg sa son sadique, son nèg ki pa vle ou gang. Son nèg ki pa vle ou gang du tout, son nèg ki pa vle ou vagabond ka fè des ordres. Et mi se son préfère de discipline, nèg ki pa nan rans. OK? Eh bien, Jovenel Moïse rele commissaire Muscadin. Pour commissaire Muscadin vienne jeune dans palais national. Et les jeunes Muscadin à l'époque, substitut commissaire du gouvernement, vienne jeune dans palais national Port-au-Prince. Muscadin rentré. Vienne chercher Muscadin pour Muscadin aller dans palais national. Pendant Muscadin dans palais national, lettre commissaire Muscadin a tapé. Le ministère de la Justice. C'était, qui est ça à l'époque? Qui est Jean Oudi Ali qui était ministre de la Justice, si je ne me trompe pas? Comme ça, je vais corriger ça pour moi, bien rappeler nous ça. Eh bien, le président Jovenel dit, monsieur Mrelo, je suis besoin comme commissaire gouvernement Miragouane, mais c'est pour aller mettre la paix dans Miragouane pour moi. Elle fait la peur, changer de camp. Et établir la paix, la kay moun qui te gen la peur yo. Établir la paix, en de chambre moun qui te gen la peur, qui établit en de chambre la kay yo. Mettez la paix, la kay moun qui t'a crié. Mettez la paix, la kay moun qui te gen pérez lan, vraiment. Muscadin te dit président, m'ka fait ça. Et si ça n'y est comme information. Il dit m'ka fait ça.
sauf que m'a besoin moyen. Mettez-moi un disponible pour moi pour me faire travailler. La présidente dit qui ça a besoin. Dit tout ça a besoin et puis il y a baoul Jean qu'on besoin là. Muscadé bay président toute liste ça a besoin. Et Muscadé pas avec dans NIP, il dit président pas gagne mon caï dans NIP. Et m'pas ka vin loger caï moun dans NIP. M'a besoin, m'a gagne une équipe. M'a besoin zam, m'a besoin machine, m'a besoin logement. Jovenel te dit pas gen problème. Miskaden choisi qui côté la descendre, yo fait hôtel pour Miskaden, Miskaden descend de manière stratégique avec équipe li. Miskaden atterri nan NIP. D'emblée, Miskaden gen matériel nan mel. Et li en direct, en contact direct avec président de la République là. Président dit monsieur criminel cap touye moun cap détruit ni plan, ce soit ou courir ou bien ou mourir. Et deux mots ça que président te ba Miskade, ce soit ou courir ou bien ou mourir. Parce que pas de question ba arrestation pour les gangs armés nan NIP. Jovenel te ba l'ordre pour bois calé fait sous tout bandi. Malheureusement pas de ba l'ordre pour bois calé fait sous politicien yo parce que le sam tap quoi que l'état de fond bois calé sous tout politicien cap menacer la vie président. Si me t'écoute président, moi me t'ap fait bois calé sou yo grain pas grain ou bien pas l'eau les faire réunion côté vous déclater ça pour yo un sans avis un criminel parce que l'état de sou fond yo en deux. OK, on tourne avec ça. Bataille liée allô trompette la sonne. Allô, trompette à sonner. Allô, trompette à sonner. L'est arrivé, trompette à sonner. Merci en pile. Eh bien, commissaire Jean-Nes Muscadin, te dit à vos ordres, monsieur le président. Ou pral jwenn nouvelle là et ou ap jwenn résultat. On promet tout résultat concret. Messieurs dames, m'a dit nous ça très bien. Le commissaire Miskade rive nan NIP. Ça n'a pas gardé là, ça n'a pas tendé de commissaire Miskade koun pa rien. C'est Nenel Kasi qui pou djou ça le passé en bas main commissaire Miskade. C'est Nenel Kasi qui pou témoigner pour la quantité soldat que le perdu. Quand il était groupe gang, quand il était jeune garçon qui dans gang, que il était armé, jeune garçon qui était armé que il perdu. Et moun nan NIP tout capable faire témoignage ça baou. Et là mon parle avec moun nan NIP, yo di mbeto, non, Miskade son Dieu, son sauveur. Je pas n'importe moun. Yo di mbeto qu'on lève matin. Ou passer dans telle zone où j'ai 9 jeunes garçons. Et c'est 9 jeunes garçons qui dans gang. De me situer dans telle zone où je ne sais. Et c'est 5 jeunes garçons qui sont qui dans gang. Nenel Kasi panique. Après Nenel Kasi apprenne que le commissaire du gouvernement a défendu la société, l'a mis de bagarre dans mes jeunes garçons. Le commissaire Miskaden déniche gang jusqu'à ce que les rivières dans Chalon. Côté gang a ferraillé. Les fous de Chalon à deux. Comme si les mangeaient au papi et pas ma conne. Et les rivières sur grain par grain. Sous tire sécurité ya, commissaire Miskaden détruit base gang sa que Nenel Kasi établi nan Chalon pour bouler moun pour kidnapper moun qui t'a bouler police tout vivant. C'est Nenel Kasi. C'est Nenel Kasi qui te mette gang sa nan département ni pays ya. Tout moun connaît ça nan pays ya. Pas gen moun qui pa au courant de li. Mais doit zume gang que le gagnent et quel gagnent cap supporter li, yo protéger li. Yo protéger li pour attaquer moun de bien. Vous protégez les pour attaquer mon de bien. Nenel Kasi son nek que oligarque servi avec en pile. Ça que son nek que Renault dit bremé en pile parce que monsieur méchant. Monsieur méchant. Le m'a répété mot méchant pour Nenel Kasi comme si me senti forme te bon côté président Jovenel Moïse pour me font challenge méchant avec Nenel Kasi parce que me t'a pas prendre méchant. N'a pas traçon exemple parce que ou connaît l'orgue tel ou tellement de dossier sous néglant ou connaît ces criminels. Quand l'État a souhaité éradiquer, et pour même une jeune chance, l'État,
comme si ou comme si on occupe un brèche dans l'état et pour gain pouvoir pour ça. Ou d'après comment t'as servi Nenel Kassi. N'ta try pour me prendre ça même. Yeah. N'ta fait tout ça que me capable me fin dénicher tout petit monsieur côté pour me prendre à même. À main pam. Yeah, on t'a montré au robot que j'aime que grand dans d'ailleurs. Gen ki gen ak debout konn a fè sosye mal k'ap fè des crimes sou tout parce qu'on méchant et gen ki gren nan boudak t'ap fè sou nou t'ap moudre koupla ou pa dal pièce côté pou t'ap prendre méchant mais pou nou sauver nation nou t'ap fout fon zak sou malhonnête kotoyé vakabon ou pa joine moun ki gen testicule nan fès peut-être ou rete ou ki ti gang ou de temps en temps ou real tout tel moun ou existe rete. Mon tout yon pa yon famille, mon cher. Mon tout yon pa yon famille. Yon pa gen équipe, yon pa gen allié. Qui kontou ap vive? Mouen, si tap gonne ki tap vin pi gros fanatikou pou mka fout. Pou mka de nou. Aïe, aïe, aïe. Pito mpa pale. Si tap gonne ki tap vin pi gros allié ou. Mais pou mka bon réponse lan, si tap mouen. Parce que mta fan ou a de. Mba tap kakito la. Pou ap mette gang, ame tout jeune garçon, fè la police ap touye yo, fè l'état touye yo. Et pou mèmou existe, non, mon cher. Ou tout trop petit monde ou de tout trop monde bien société ya comme si petit mouvement politique gang ou an, ou t'as juste pas là et jou arrestation dans ni plan c'est fun pour te fond en deux et c'est fini tu t'as fond honnête moi regrette infiniment comme ça miska de pas football dans tête tout comme petit volet dans le cascade politique gâté comme ça miska de te pas comme si c'était bon chance ça. Comme ça, Jovenel Moïse a demandé au commissaire Miskaden pour libérer Nenel Kassi. Oh! Non. Ça, ou stupide. Ou fait crime, ou fait zak pour nous camper pour nous abgader. Non, mon cher. Ou méchant. Nous traçons exemple vivant sous méchant. Ou méchant ou criminel. Nous traçons exemple vivant sous criminel. Parce que crime qu'on a fait au papa, mon a fait au gars famille. Et m'a dit que commissaire Miskaden et puis sous président Jovenel Moïse l'a déniché ni plan. Pardon. Et après assassinat Jovenel Moïse, c'est peuple Miragouane qui kembe commissaire Miskaden comme commissaire du gouvernement. Vous voulez nous comprendre ça? C'est peuple Miragouane qui kembe effectivement commissaire Miskaden comme commissaire du gouvernement. Parce que naturellement, si c'est Pat et peuple Niragouane, l'équipe Ariel a révoqué commissaire Miskaden. Et c'est nous, dans les médias en ligne, qui campions pour nous dire non, ça va passer. Et nous avons tout chaviré Chaudière. Et nous avons tellement peur. Il était tellement peur pour Chaudière pas chavirer à l'époque. Il était tellement peur pour Chaudière pas chavirer à l'époque. Et bien, de vous parler de Chaudière chavirer. OK. Yo va les chaudière chaviré, eh ben nèg yo te getan prend toute disposition pour que ou pas arriver sur yo, c'était ça à l'époque oui. Yo te peur. Yo va les chaudière chaviré. Toute équipe a elle en panique, il va pas. Toute équipe a elle en panique parce que nèg yo te peur pour que et chaudière pas chaviré. Yo te peur ça. OK. Et yo te peur ça à l'époque. C'est ça qui cause ouais monsieur yo. Et fait tout ta yo fè a, ou a essayé passer par quatre chemins pour ta transférer Nenel Kassi, l'en dénoncé l. Et l'en dénoncé li. OK? Ou nèg yo prend disposition yo fè retrait, lettre sorti pour évocation le rentrer, Pierre Espérance a fè pression sous mené justice. Ça va aller vont plim sous dos Miskaden. Vous comprenez? Et ça va aller vont plim sous dos et OK? Ça va aller en plume sous dos, commissaire Miskaden. Et puis, peuple haïtien qui supporte monsieur. Ça veut dire que nous-mêmes, c'est comme dit comme peuple, et là, nous campons derrière le monde, faut nous camper derrière elle pour tout bon. Faut nous supporter elle dans toute démarche. Et si nous ne supportons pas le commissaire Miskaden dans toute dimension, ça, je dis, nous ne pouvons pas avoir Miskaden là. Nous avons Miskaden qui soit. Qui peut être capable, qui peut être tapé en bataille, qui peut être tapé en prison. Parce que Pierre Espérance fait tout ça qu'il connaît. Il s'était joué tout pion, tout coin, pour qu'il t'ait éliminé
commissaire peuple là qui c'est commissaire jeunesse Muscadet. Il te fait toute manœuvre pour te éliminer commissaire Muscadet. Il était visible, il était clair pour tout le monde, mais malheureusement à l'époque et bon, j'ai l'impression vraiment comme si Muscadet pas de coup. Vous comprenez? Sous frappe on s'est des bagailles. Mais n'a fait tout ça que vous connaît pour te retirer Muscadet ou bien éliminer définitivement. Éliminer. Je pense que l'était important pour que nous te garder comment pour que naturellement nous te supporter et puis camper beaucoup de Muscadet. Ministre comment elle dit Dwork Dimitri Vobla et Dorsé Beto. Gagne l'autre et tigamon sans honte matelia comment elle encore. Emily Prophète Milsi. Pardon, tout ça c'est des monde qui alors m'a salué madame Evelyne Louis capitaine d'émission là et madame Evelyne Louis, madame Evelyne capitaine depuis Boston. Dorsé Beto et Emily Prophète Milsi, tout ça c'est des monde qui étaient rentrer dans une série de démarches pour que yo te fait tout ça que yo capable pour yo révoquer Muscadet. Mais si c'est pas nous qui te campé dans média en ligne et puis parler avec peuple supporté peuple les comme ça nous pas gagner Muscadet comme comme chef paquet, OK, comme chef paquet et il est important pour qu'il connaisse ça, OK, et il est important, il est important pour que nous connaisse ça. Et bataille ça, nous continuons jusqu'à maintenant. Et Pierre Espérance continue tout lui-même. Il gonfle pour être lui. Et monsieur dit, faut que lui gagne bataille ça. La pour si Muscadet. Ou on sait qu'il y a Dieu dans le bagage là. C'est parce que, ouais, on est qui dans les droits humains, a pas attaqué un commissaire du gouvernement. Il a fait pression sur le ministre de justice. Il a fait pression sur l'autorité qui est dans primature. Il a fait pression sur l'autorité qui occupe le palais national illégalement. Pour que tu aies révoqué un commissaire gouvernement qui a défendu nos sociétés que gang a pourri. Ou bien qui pourri avec gang. Kounya qui est à bien expérimenté? Un chef de gang. Sanel Kassiye, chef de gang. Qui est-ce qui a défendu Sanel Kassiye? Pierre Espérance, ça y est, Cavalier Polka. Même Gouga, même Kabit Tomazoyo, même Plim Ayo. C'est même Mounio. C'est même Bagalan. C'est ça qui est important pour nous. Pour nous gérer comme situation. Ok? L'important pour que. Nous t'ai fait parler de ça. Commissaire Muscadet prend disposition. Nenel Kassi a fait tout ça qu'il est capable pour que les rivières NIP pour faire assassiner ou. Décision politique ou prend la pour ajouter département NIP dans l'état d'urgence là, ce n'est pas n'importe décision. Son décision côté que nous allons utiliser l'État avec des machines officielles, machines plaques service de l'État, machines plaques et palais national, machines plaques et code diplomatique tout, pour être capable de rentrer dans le département avec bandits pour assassiner commissaire Jean-Ernest Muscadet. Commissaire Muscadet, wash maman peuple avec vous. Pas gen président pour vous, pas gen ministre pour vous, pas gen directeur général pour vous, ou c'est chef Miragouane, et c'est où peuple a fait confiance, depuis c'est où peuple a campé derrière, c'est où gen légitimité, et sous le président demain matin, annonce seulement pour peuple, c'est pas peuple qui a campé derrière. Ou fou, nous pas politique, même pas fait bailler les politiques là, et bon, pour plusieurs raisons. Et n'a pas parlé de ça, peut-être dans l'autre émission. On va parler de ça dans l'autre peut-être dans une autre émission nous n'a gagné pour parler de ça. Guy Philippe Burkina Faso, Guy Philippe dans continent africain. C'est pas ça qu'a parlé oui. Jeune capitaine Ibrahim Traoré, nous t'a content avec Guy Philippe bon côté. Est-ce que comment Guy Philippe c'est Burkina Faso le braler bon côté capitaine Ibrahim Traoré. C'est ça tout ça il s'est posé comme question pour connaître effectivement qui ça que comment Guy Philippe pral régler dans pays Burkina Faso. Alors, dans le pays, dans le continent africain, qui ça que tu vas le régler? Et. Ok? Qui ça va le régler? Et. Qui ça va le régler? Même parce que Guy Philippe. Ok? Il y a un pile. Il y a un pile démarche que la porte prendre pour garder comment nous t'ava sortir dans situation difficile que nous trouvons là. OK? Il est important pour que nous comprenne et démarche commandant Philippe là, il m'a dit nous ça très bien.
route que nèg yo prend là, yo décide pour kembe pouvoir pour tout temps. Gary Koni qui prévoit qu'il doit pas faire élection. Et il n'a pas qu'à faire élection, et ça le dit. Ça dit que Gary Koni nous pensait que qui te ka peut-être ba un petit cas sécurité, il pas bailler parce que pas qu'à élection avec insécurité et au pas faire élection tout, défaite obligé que bonne insécurité généralisée. OK? Et bien dans sens ça, ou même comme peuple souverain faut dire tout. M'pa pou konnen monsieur pas faire élection. Bam de gè piyo la. Bam de gè piyo, bam retire yo la. Pour me faciliter Haïti, ralons souffle. Et l'important pour que nous comprenions ça. L'important pour nous comprenions ça. Et l'important pour que nous comprenions ça. Nous pral font tande jeune capitaine Ibrahim Traoré dans l'intervention qu'il fait l'an journée internationale de la jeunesse là. Et nous pral font tande là avec un pile intérêt dans l'émission ça. Parce que m'a dit ça très bien. Monsieur réveille conscience en pile jeune. Il y a pile jeune qui gon focus sur monsieur. Il estime que monsieur vraiment fait un pile jeune en vie. Parler dans les affaires politiques pays et même envie rentrer dans la politique pays parce qu'il estime que monsieur gon travail sérieux qu'il a fait. En faut tant des jeunes capitaine Ibrahim Traoré qui t'a parlé avec peuple et par la suite pour rentrer dans journée internationale et de la jeunesse là côté monsieur fait gros bout de tonton déclaration en tant avec un pile intérêt. Je souhaiterais donc qu'on puisse rendre grâce à Dieu qui nous a montré ce jour et qui nous a permis de nous retrouver ici. Rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front, et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici pour communier. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisés les Waïa, qui veillent jour et nuit. Vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé, merci beaucoup à vous. Remercions ici donc nos autorités coutumières et religieuses qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident les FDS sur le terrain. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Sans communiquer, voilà. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Absolument. OK? Comprenez quelque chose. Le père de la révolution communiquait beaucoup. Je parle ici de Thomas Sankara. Dans l'un de ses propos, il vous disait ceci: l'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'il est chassé de la classe, il revient toujours. Et je me souviens qu'à son adresse, à ses compères donc de la CEDEAO, il disait que pour rompre le cordon ombilical qui nous lie à l'impérialisme, n'allez pas chercher une maïticienne d'État avec des doigts futés et un ciseau bien aiguisé pour rompre ce cordon. Mais plutôt, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée pour donner un coup sec et rompre le cordon. Cela veut tout dire. Je m'en vais vous expliquer un peu comment est-ce que l'impérialisme se comporte. Après l'assassinat du père de la Révolution, justement, le régime qu'avait voulu l'impérialisme s'est installé. Dans les années 90, vous vous souvenez tous
d'un programme qui nous a été imposé, le programme d'ajustement structurel. C'était qu'un plan. Je vous explique. En mettant en place ce programme dans nos contrées, vous avez remarqué au fil des deux décennies qui ont suivi, toutes nos usines qui étaient en place ont été privatisées. Notre économie a été déstructurée. Ok, à nous suivre, à nous tendre avec un peu d'intérêt, intervention ça, qui m'estime que vous pouvez tendre, qu'on va intéresser tendre. Ensemble avec nous sur la plateforme YouTube InfoBetoa. Jeune capitaine Ibrahim Traoré, dans journée internationale de la jeunesse, côté que monsieur fait des gros révélations, monsieur dit des bagailles qui sont extrêmement importants, et monsieur montre où il va faire erreur que l'autre leader a fait. Lagé quoi yo. Ba yo assassiner n'importe qui genre. Ouais monsieur gon peuple derrière dol. Ouais monsieur gon l'armée derrière dol solide. M'a dit non. Pour mon cap comparer comme dans Guy Philippe avec Ibrahim Traoré, c'est pas même bagaille. Monsieur Gon l'armée solidaire d'Oul, il était capitaine en fonction. Il fait un coup d'état dans il font coup d'état pour pouvoir. Il montre qu'il avec peuple, il communique avec peuple tendel. Communication passée, l'opinion comprenne ni et bien de fait, il qui contrôle pays a. Et monsieur puissant pour faire révolution qu'il a besoin faire. OK? Il a fait vraie révolution maintenant. C'est ça qui cause monsieur très puissant. Tout pays qui t'a critiqué monsieur, oui, dis dat, yo ou pas ka faire rien parce que il prend décision dans pays pour pays. Même si blanc dit ceci, blanc pas qu'à faire un vrai. Il est important pour une comme ça. Depuis c'est pour payer ou prend décision, peur pour camper derrière dos. Même si blanc parler, pas qui pour pas faire bac. Blanc la vienne rejoindre nous quand même parce que blanc lui-même faut toujours là tout. Blanc corrompu. La bonne pression, mais la blanc corrompu, la pression l'a pas passé. Blanc qui sérieux à venir nous, oui. Blanc pas là. Entendez non, capitaine Traoré. Bonjour à tous. Je souhaite donc la bienvenue à tous les jeunes venus des 13 régions qui sont dans la salle et ceux qui n'ont pas pu avoir accès à la salle, à tous les jeunes venus d'Afrique pour accompagner la jeunesse burkinabé, soyez les bienvenus au pays des hommes intègres. J'irai rendre un hommage vibrant à nos vaillantes forces de défense et de sécurité et nos vaillants VDP qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso soit et tiennent debout. Je souhaite que nous prenions une minute pour prier pour ceux qui sont sur le terrain et aussi pour le repos des âmes de ceux qui sont tombés pour notre patrie. Je vous remercie. Rendons grâce à Dieu qui a permis que nous nous retrouvions ici aujourd'hui à l'occasion donc de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse en bonne santé. Je le dis très souvent parce que l'être humain oublie souvent Dieu lorsqu'il n'a pas de problème, lorsqu'il est dans le bonheur. Mais quand viennent les soucis, c'est là qu'on se rappelle de Dieu. Rendez grâce tous les jours pour le souffle de vie et pour la santé. Jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique. La jeunesse, cette phase de la vie où l'on a assez de force, assez d'énergie, comme le paraphrasait donc le slammer qui vient de passer. La jeunesse, c'est l'époque où on n'a pas assez de temps. Nous devons profiter du temps qui nous est donné, utiliser l'énergie nécessaire pour atteindre nos objectifs, pour changer le monde, changer notre monde, changer le monde des autres, positivement. Les enfants souhaitent grandir pour être jeunes. Les personnes âgées souhaitent redevenir jeunes. Tout le monde veut être jeune. La jeunesse est une bénédiction. Alors profitez de la jeunesse pour faire œuvre utile. Voilà pourquoi quand je vois dans le thème choisi, les deux premiers mots nous interpellent. Intégration, sécurité. L'Afrique
fait face à de nombreux défis. Et on doit se poser des questions. La jeunesse est-elle un atout ou un handicap pour le développement des nations? La réponse est simple et sans équivoque. Et vous la savez. Les pays développés ont pour la plupart une population vieillissante. Et actuellement, beaucoup de pays ont lancé des programmes pour rajeunir leur population. L'Afrique a cette chance d'avoir une population très jeune. C'est vrai. Pourquoi l'Afrique n'est-elle pas développée? Nous devrions donc nous pencher sur la question de comprendre pourquoi l'Afrique a une population jeune et qu'elle n'est pas développée. Et que les pays qui se disent développés cherchent donc à rajeunir leur population. Il faut que nous arrivions donc à transformer notre jeunesse en un véritable atout et un moteur de développement pour notre continent. Et pour ce faire, nous avons besoin d'intégration, nous avons besoin de sécurité, de développement, nous avons besoin de nous unir. Certes, vous entendrez parler de l'Union africaine. Oui, elle existe. Mais quel est l'effet de l'Union africaine en réalité? Nous ne pourrons pas parler d'intégration dans le thème et de ne pas parler de l'Union africaine. Parce que c'est cette organisation qui devrait nous unir, créer l'intégration réelle. Mais nous sommes au regret de voir ces guerres qui persistent sur le continent africain, qui tuent des millions de jeunes, et que cette organisation qui est à la tête d'États pourvus d'armées n'arrive pas à s'organiser pour soutenir certains pays. L'Union n'est pas juste un mot. L'Union, c'est un symbole. Et nous, jeunes, devrions apprendre la leçon de cette situation pour nous unir, pour faire de l'intégration une réalité. J'ai été désagréablement surpris lorsque l'Éthiopie, qui abrite donc le siège de l'Union africaine, vivait un conflit. Et quand j'ai vu le Premier ministre se mettre en treillis et annoncer fermer l'université à Addis Abeba pour faire face à la menace, je n'ai pas vu l'action de l'Union africaine pour protéger ses sièges. Les États occidentaux, pour la plupart, voyaient Addis Abeba tomber, ont plié bagages et partir. L'Éthiopie s'est battue, a trouvé une solution interne et vit plus ou moins en paix aujourd'hui. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels au Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Nous ne viendrons même pas parler de nous ici au Sahel. Depuis près de 10 ans, le Sahel est le théâtre du terrorisme international. Mais nous ne voyons aucun soutien de ces organisations pour trouver une solution à ce problème. Pire, il y a quelques jours de cela, un pays étranger à l'Afrique a annoncé ouvertement avoir soutenu et participé à une attaque lâche, terroriste et barbare contre des forces de notre confédération à Tinzawatan. L'Union africaine n'a pipé aucun mot pour condamner cette ingérence. L'Union africaine n'a pipé aucun mot pour condamner cette ingérence d'un État extérieur à l'Afrique dans les affaires internes de nos États. Et ce coup de gueule, je souhaiterais qu'ils l'entendent et qu'ils sortent donc de leur silence et poser des actes pour que la jeunesse puisse croire en l'Union africaine. Merci. Il nous faut nous unir.
Il nous faut nous unir et la seule manière de s'unir, c'est de se parler, de se comprendre et de pouvoir donc asseoir les bases de cette unité-là. Et jeunes, laissez-moi vous dire que pour s'unir, il y a trois mots, trois grands vices qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Tenez bien, oui, trois mots. Lâche, traite, incompétence. OK? Lâche, traite, incompétent. Et ça, il faut combattre li. Dans le pays, nous faut combattre li. Dans la société noire. Et vous pouvez attendre, j'ai que jeune capitaine Ibrahim Traoré, pour le définir ça et pour le parler ensemble avec la jeunesse dans la journée internationale de la jeunesse dans le pays Burkina Faso. Entendez avec un peu d'intérêt. Il faut bannir ces trois mots de notre mode de vie. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. Un lâche a toujours peur. Oui. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. Ouvre une traite. On se plie. On lèche la botte. Nos ancêtres n'ont pas été lâches. Et si nous sommes lâches, nos enfants vont nous poser des questions. Imaginez qu'au Burkina, nous refusions de nous battre et nous acceptons de nous soumettre, de vivre l'esclavage. Demain, nos enfants grandiront. Ils se poseront des questions. Nos parents ont-ils été des lâches pour nous laisser dans l'esclavage? Que nous soyons vivants ou morts, nous allons le ressentir. Vrai révolutionnaire. Le lâche a peur. Et les impérialistes ont compris, ils essaient de faire peur aux leaders pour que vous soyez des lâches. Parce que quand vous êtes un lâche, tous les autres vices peuvent naître. On fait tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais. Ils nous menacent directement ou des menaces voilées. Très bien. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Ils essaient de nous faire comprendre. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Président haïtien. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça. Il est où? Il est mort. Et aïe aïe. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. A essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Aïe aïe aïe, monsieur. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Voilà des propos qu'on nous tient. C'est des messages que vous voyez pour nous. Des messages clairs, des messages voilés. Et je te dis en Haïti, je te dis peuple en lit. Depuis là, nous entamons le combat ça. Pour regarder comment pour jouer la vérité dans ce qui est pour avec assassinat président paysan, nous te disons clairement, Olika Kompi, vous avez un message pour nous. Yo même tout, yo gen des secteurs clés qui a travaillé pour lui. Yo kon façon, mais sauf que Léo pour un président comme ça dans mitan boule figi nou. Yo massacre, yo assassiné, yo décapité et ou toi dans qui nous va bataille contre lui pendant que il était au pouvoir, yo vont un message ba ou comme peuple. Yo dit faut peur. Souvini vinn prend pouvoir, vinn continuer sur ça, mais c'est capitaine nou. Et m'a dit monsieur yo, ton écrasé monsieur ou ça que n'a fait. Et c'est itinéraire Jovenel Moïse tracé a. Nan li nou touye lan, c'est lui qui n'a fait comme peuple. Entendez peuple haïtien. Nous allons le ressentir. Le lâche a peur. Et les impérialistes ont compris, ils essaient de faire peur aux leaders pour que vous soyez des lâches. Oui. Parce que quand vous êtes un lâche, tous les autres vices peuvent naître. On fait tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais. Ils nous menacent directement. Ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Ils essaient de nous faire comprendre. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où?
il est mort. Mm-hmm. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Voilà des propos qu'on nous tient de manière voilée pour nous faire peur. Et puis, nous voyons aussi souvent certains jeunes essayer d'emboîter le pas d'une autre manière. On peut les entendre dire « Telle personne a régné ainsi, il est à la CPI. Telle personne a régné ainsi, il est en prison. » Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase. Mm-hmm. Ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Jeune garçon. Ils ont fait peur sûrement à beaucoup de chefs d'État africains. Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Nous sommes souvent mal compris. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent indexés. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans les couloirs, ces mêmes chefs d'État nous disent « Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse s'en sortir. » Alors, nous leur posons des questions à savoir « Pourquoi vous ne faites pas comme nous? Pourquoi vous ne nous accompagnez pas ?» Certains nous disent qu'ils ont les mains liées, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. Chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune, donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple, nous nous excusons, nous avions été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Et de commencer à travailler réellement pour l'indépendance de nos États et notre émancipation. Et je pense que c'est possible. Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches. Et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Justement. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je veux parler des Camerounais. L'union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, d'hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique, parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Ça aboutit à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous, nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique d'hommes courageux qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Jamais.
ne soyons pas lâches, jeunesse africaine. Parce qu'un lâche est toujours un traître. C'est vrai. Et ça va de pair. Ils essaieront de nous faire peur pour que nous soyons lâches. Et si nous sommes lâches, nous allons trahir. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques billets tendus à des individus au Congo pour une interview pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Lumumba nous dérangeait. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous soyons là aujourd'hui. Et c'est une technique de l'impérialisme de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Byakabuda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il est un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée. Et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Byakabuda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-il fait ? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boiflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté. Ils ont été massacrés par l'armée coloniale. Wow. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit, si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard, il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on t'a des billets, papa, ici? Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. C'est vrai. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. Il y a beaucoup d'autres exemples à travers le monde. Et il y a ce phénomène qu'ils ont aussi utilisé depuis belle lurette et qu'ils continuent d'utiliser. Voyez-vous, certains individus, par exemple, se sont retrouvés dans d'autres pays et créés, soi-disant, un gouvernement parallèle au gouvernement du Mali. Vous avez entendu cette histoire. Ce n'est qu'une technique qui a existé dans le temps. Je vais vous prendre l'exemple de Ahmed Chalabi, l'Irak. Ce professeur de mathématiques qui a même été dans le gouvernement irakien a été récupéré par les impérialistes et il a formé ce semblant de gouvernement parallèle à l'Irak, aux États-Unis. Et on l'a utilisé pour être donc le mouton de sacrifice
parce que c'est à lui qu'on a dit de prononcer publiquement que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive. Et il l'a fait. Ils l'ont utilisé. Et cet alibi a été utilisé pour tuer des millions d'enfants en Irak et détruire l'Irak. Et vous savez quel a été le sort de Chalabi? Un soir, après une interview, dans l'interview, il disait même qu'il sait que la CIA est sur son dos. Quelques heures après, il a été retrouvé mort dans son lit, mort de crise cardiaque. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard, vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Le troisième vice que je vous invite à vous départir, c'est l'incompétence. Ah, je reviens encore au mot du slammer qui a marché sur ma langue. L'incompétence, vous comprendrez de quoi il s'agit. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance et travaillez, travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes, il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, ce que moi j'appelle du n'importe quoi, il a des millions de vues. C'est bien. C'est bien. Justement, comme disait le jeune slammer, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience, intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance, cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormi, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Les incompétents
se cachent souvent derrière des mots. Ils emploient les termes de démocratie, oui, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Mm-hmm. Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit. C'est soi-disant démocrate, mais regardez le monde. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes? C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça ne s'impose pas. Ceux-là qui se disent démocrates, mais regardez, nous avons vu des scènes où on a empêché des gens de rentrer dans des assemblées. On a vu des scènes où des forces ont débarqué dans des assemblées pour obliger les députés à prendre des textes. On a vu des scènes plus terribles que ça, où les gens tuent leurs manifestants, mais eux, ils s'appellent démocrates et nous, on nous appelle donc des putschistes. Si c'est ça la démocratie, je répète, nous ne voulons pas de cette démocratie. Et quand vous voyez souvent les incompétents, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la signification du mot démocratie en réalité. Il s'accroche juste à la définition qui lui a donné l'impérialisme et il se met à parler de démocratie sans réellement connaître le fondement. Ça, c'est de l'incompétence. Il faut chercher à connaître, avoir la connaissance, regarder le monde pour redéfinir la démocratie telle que nous le voulons en Afrique. Les incompétents se cachent derrière les libertés. Retenez une chose, il n'y a pas de liberté individuelle qui existe. C'est un fait. Vous pensez vraiment que chacun est libre? La liberté est collective. Tant que nous vivons dans une société avec des règles, la liberté est collective. Très bien. Parce que si vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas vivre dans la société. Si vous êtes libre de parler comme vous voulez, l'autre aussi est libre de vous répondre comme il veut. Ça sera du désordre. Si vous êtes libre de rouler dans la rue et de passer le feu rouge comme vous voulez, l'autre est libre de passer aussi et de vous cogner. Vous comprenez que si la liberté individuelle prend le dessus, nous sommes dans une société de désordre. Voilà pourquoi il y a des règles dans la société. Et les règles, tout le monde doit les respecter. Et là, on parle de liberté collective. Donc, certains se donnent le droit de parler de leur liberté individuelle à eux, mais ne tenant pas compte des autres. Je pense que ça fait partie aussi de l'incompétence, parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Ils s'arrogent les droits que peut-être les États les ont donnés pour sévir, pour faire tout pour eux, en négligeant les libertés des autres. Non, la liberté est collective. Avant de poser un acte, on pense à la liberté d'autrui. Très bien. Et nous ne devons pas transcender la liberté des autres. Donc, ça fait qu'on doit avoir de la réserve. Et une fois qu'on a de la réserve, la liberté individuelle n'existe pas. La liberté est collective. Et nous devons avoir cette culture de liberté collective. Cherchons donc la connaissance, lisons, interrogeons l'histoire. Ne lisez pas l'histoire qu'eux, ils ont écrite en leur faveur. Cherchez la connaissance à travers plusieurs sources et vous comprendrez dans l'histoire qui s'est battu pour l'Afrique, comment nous devons nous battre pour continuer cette lutte de nos devanciers. Et je ne terminerai pas mes propos sans faire un coup de gueule encore au volet de la communication. Parce que, comme je le dis, c'est l'arme fatale de l'impérialisme. Et vous, jeunes, vous devez tout faire pour savoir distinguer le vrai du faux. Nous continuerons à démonter les mensonges des médias impérialistes qui essaient de toujours créer des soucis en Afrique. Parce que ces médias, par leur bouche, ils peuvent vous rendre un roi demain. Par leur bouche, ils peuvent vous faire quitter de votre position de roi et vous rendre un piètre esclave demain. Faites attention.
Je suivais une émission, malheureusement, il n'y a pas longtemps, burkinabé, où un jeune journaliste a sorti une phrase qui m'a laissé un peu perplexe. Il parlait de la Corée du Nord. Et le journaliste a dit, mais il meurt de faim en Corée du Nord. A-t-il pris le soin d'aller en Corée du Nord enquêter pour voir vraiment s'il meurt de faim? Jamais. L'idée que les médias impérialistes ont vendu de la Corée du Nord est plus développée que beaucoup de pays européens. C'est vrai, c'est vrai. Et parce Absolument. Que ces médias nous disent la Corée du Nord, c'est la dictature, les gens meurent de faim, ils sont pauvres, ils n'ont rien, on prend ça ainsi. Mais la Corée du Nord est une puissance nucléaire, comment est-ce qu'ils ont fait? Faisons attention à la communication. Il ne faut pas suivre de manière aveugle ces médias menteurs qui ne cherchent qu'à diviser l'Afrique. C'est logique, ils se battent pour les intérêts de leur peuple. Et l'intérêt de leur peuple, c'est que l'Afrique soit divisée. Alors, jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique, il faut qu'on s'unisse. Il faut bannir la lâcheté, il faut bannir l'incompétence, il faut bannir la traîtrise et tous les vices dans nos sociétés. Nous avons des occasions de nous parler. On rend grâce à Dieu de ces occasions que nous avons chaque fois de nous parler, de nous conscientiser. Et je vous invite à repartir encore lire, à se mettre au travail pour que l'Afrique que nous voulons, autosuffisante alimentairement, soit une réalité. Pour que l'Afrique que nous voulons pour un développement harmonieux soit une réalité. Parce que je reviens sur votre thème. Il n'y a pas de paix et de sécurité sans développement. C'est vrai. Les deux vont de pair. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de sécurité. Parce que s'il n'y a pas de développement, la jeunesse va forcément se retrouver dans les vices. Et il n'y aura pas de sécurité. C'est exactement ça qui a passé. S'il n'y a pas de sécurité aussi, il n'y a pas de développement. Donc les deux doivent aller de pair. Intégrons cela dans nos combats pour que nous puissions nous battre et nous développons. Allons-y vers la production. Produisons suffisamment. Transformons sur place nos matières premières pour que ce soit bénéfique pour nos populations et en vue d'exporter cela. Je vous souhaite de très bonnes journées de réflexion sur le thème choisi, également sur le rôle essentiel de la jeunesse dans ce combat. Bonne chance à tous. Que Dieu fasse en sorte que tous ceux qui ont fait le déplacement retournent en bonne santé chez eux et que nous puissions nous retrouver quand nous le souhaitons par la grâce de Dieu. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci en pile. C'était jeune capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État dans le pays Burkina Faso. OK? Eh bien, justement, qui te prend la parole, qui te noté. Alors, c'est un plaisir pour nous pour que nous partagions ensemble avec vous parce que nous estimons que jeunes Sahalab font un travail extraordinaire, un gros combat que l'a mené et dans le continent africain. Et monsieur, il y aurait les monsieur et réincarnation de Thomas Sankara. Et monsieur prend engagement pour pays. Monsieur prend engagement pour peuple, monsieur dit quel que soit les prix à payer, eh ben pays des hommes intègres qui c'est être intègre qui c'est Burkina Faso, c'est ça que exactement le veut dire pour dire Burkina Faso ou dit ou sous pas veut dire Burkina Faso, dit pays des hommes intègres. C'est exactement Burkina Faso qu'on dit tout court. C'est très important. Eh ben Burkina Faso campé derrière monsieur, solide, red, monsieur gon l'armée qui campé derrière elle, monsieur gagne de pays, gros pays. Qui a des puissances tête chargée dans les affaires militaires qui a supporté lui, qui a balle de matériel logistique pour renforcer la mêle et technologique lui. Vous comprenez, ça veut dire que monsieur son cap armé lui, monsieur a frappé, monsieur a aidé pays développé. C'est pas ennemi pièce pays non, mais ouais, monsieur a bataille pour que pays capable de jouer une route de changement. Peuple lui, qu'a jouer une aller mieux. Et moi, même monsieur, n'a pas suivi monsieur de près, m'a toujours cherché quelques petits extraits qui est extrêmement important dans toute intervention importante que monsieur fait, et bien pour me partager ensemble avec nous. Merci en pile, président de la transition et chef de l'État, commandant chef l'armée, commandant Ibrahim Traoré, capitaine et président de la transition. Bravo. Bravo peuple burkinabéen. Respect pour peuple burkinabéen. Bravo pour nous. Félicitations avec chaque
et monde qui vivent dans pays ça. Kebe la balague. Alors moi-même moi était content ensemble avec nous pour nous te faire parler jodi an, n'a tourner sur dossier Master Mitil qui joue une libération hier et que nous vraiment apprécier ça. N'a tourner sur ça même c'était que nous gain arabe blanc pour le reler nous pour faire parler avec nous. N'a pour nous parler avec tout très bientôt. Kebe la, merci en pile. N'a casser rendez-vous pour l'édition. Kebe la.